Shalom à tous. Parasha Shoftim ce soir dans une perspective messianique, donc parasha analytique. Nous avons donc quelque temps on a un programme un petit peu modifié en ce sens que nous avons la Haftara, c'est-à-dire le livre des les commentaires des prophètes et de la Nouvelle Alliance, soit le samedi à midi ou soit le mercredi après-midi, vers 16h, donc en fonction justement des desiderata et des possibilités. En tout cas ici, je vous propose ici cette paracha analytique Shoftim, qui est une paracha assez intéressante et qui va nous parler Shoftim, les juges. Donc, alors Shoftim, c'est en fait juge, hein, Shoftim. Deutéronome 16, verset 18 à Deutéronome 21, 9, comme d'habitude. Je commente quelques éléments, une vue globale bien sûr de Shoftim, et alors quelques éléments à comprendre. Alors auparavant, nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur, si vous le permettez. Seigneur, nous voulons te remettre la paracha, nous te voulons te remettre cette parole, ta parole qui est la vérité. Nous te remettons notre vie entre tes mains à chacun. Nous te demandons ton aide et ton secours. Merci pour tes bontés. Merci parce que tu renouvelles ton alliance avec ton peuple jour après jour. Et c'est dans le nom de Yeshua que nous te louons, te bénissons, te remercions de ce que tu vas encore nous parler ce soir. Nous l'espérons, nous le croyons. Beshem Yeshua à Mashiach. Alors, nous avons donc la paracha Shoftim, Deutéronome 16, 18 à 21, 9. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que pour recevoir le texte en PDF, il faut envoyer un email vide, on va dire. Vous envoyez un email sans texte, ni dans l'objet, ni dans le corps du texte, à l'adresse parachaliste-subscribe.betyeshua.org et votre adresse email sera automatiquement reprise comme participante à la diffusion. Donc évidemment, il faudra confirmer. Autre chose aussi, nous sommes l'Assemblée messianique Beth Yeshua, nous sommes un centre messianique, centre de formation et d'enseignement messianique sur la foi chrétienne en Yeshua. Nous croyons en Yeshua. Je le signale de toute façon que pour certains ceux qui nous suivent, il est important de le savoir que nous croyons en Yeshua, Yeshua qui est Jésus, le Fils de Dieu. Alors, donc ça j'enlève. Alors qui suis-je? Moi je m'appelle Jacques Sobieski et donc je suis ici à l'Assemblée Beth Yeshua La Louvière. Alors je vous rappelle aussi que moi je suis en train de vous apporter quelques informations analytiques, techniques on va dire, sur la Torah, donc sur les textes commentés de Moïse, la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et on a, en plus de ça, on a aussi ce qu'on appelle la Haftara. La Haftara, qui est donc les commentaires des prophètes et de la Nouvelle Alliance, donc du Nouveau Testament. Et ces commentaires sont donnés donc soit le mercredi vers 16h, soit le samedi à 12h30, 12h45. Et pour pouvoir recevoir les documents en PDF gratuitement de cette Haftara, vous devez écrire à sentinelle@globetrotter.net. Voilà, donc j'ai tout dit, je pense que j'ai rien oublié. Cette Haftara sera donnée par un monsieur qui s'appelle Bernard Meurant, notre frère, que je salue en passant, que nous voulons bénir dans le nom de Yeshua. Merci pour tous ces enseignements, pour toutes ces recherches. Alors, donc, aujourd'hui, de quoi parle-t-on? Donc, Shoftim. Shoftim, donc, nous sommes dans la 48e semaine de l'année. Nous arrivons bientôt à la fin de l'année juive, du cycle de lecture de la Torah. Puisque 48, 52, 53, en un an, on a 52, 53 semaines en fonction. Donc ici, on arrive bientôt, il n'y a plus que quelques semaines
de paracha. Donc, cette paracha de Deutéronome 16, 18 à 21, 9, nous parlera justement sur des mitzvot, sur des jugements. Vous allez voir. Alors, voilà. Alors, la paracha Shoftim, c'est avec le livre de Devarim. Devarim, c'est le Deutéronome, c'est le premier livre du Deutéronome, la première section, première semaine que nous avons entamée. Bien, Shoftim avec Devarim se démarque nettement des autres livres de la Torah. La seule fois où Dieu parlera lui-même dans ce livre, ce sera pour dire à Moïse qu'il va mourir. Et en Deutéronome 31, 16, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera avec les dieux étrangers du pays du milieu, au milieu duquel il entre. Il abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. » Alors, je vérifie si tout fonctionne bien. Apparemment, il n'y a pas de plainte comme quoi le micro ne fonctionne pas. Ok, donc je vérifie. Allô, allô, 1, 2, 3. Oui, apparemment je m'entends. Donc, si je m'entends, forcément. Voilà, donc, alors, avec Devarim, nous avions vu que c'est toujours Moïse qui parlait. Et plus Dieu lui-même. Et plus Dieu lui-même. Depuis l'exode d'Égypte, on pouvait constamment lire Vayedaber Adonai El Moshe Lemor. Et Dieu dit à Moïse. Et Dieu parla à Moïse en disant, donc, et Dieu parla à Moïse en disant deux verbes différents. Dans la Parasha Shoftim, qui est le livre où l'on retrouve le plus de mitzvot, les commentateurs juifs, écoutez, c'est intéressant parce que les commentateurs juifs expliquent que la Torah s'adapte à son peuple, elle ne change pas ni n'évolue pas, mais elle s'adapte. Et de même, comme on le voit ici, ces mêmes commentateurs expliquent que Moïse, quand il parle, c'est Beruach HaKodesh. Donc, s'ils disent Beruach HaKodesh, ça veut dire que c'est vraiment par Beruach, par l'Esprit HaKodesh, par l'Esprit Saint. Donc, Dieu parle par son Esprit. Plus tard, on verra dans Deutéronome 18, versets 18 à 19, que Dieu annonce un autre prophète qui viendra après Moïse. Et ce texte, on peut le voir d'ailleurs. Je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères, tel que toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Alors, lorsque Dieu parle en disant je susciterai, en fait, il est en train de dire j'élèverai, j'établirai. Susciter un prophète, bon, on est d'accord, bah, ça n'a rien d'exceptionnel. Par contre, lorsqu'on dit j'élèverai, ça, c'est différent. Et ce mot « akim »,« akim »,« navi »,« akim lahem », ça vient de la racine « kum », qui veut dire « établir »,« lever »,« aller »,« demeurer »,« tenir »,« venir »,« susciter ». Et le texte dit « mi kerev », donc « je susciterai mi kerev », c'est-à-dire « à partir des entrailles, en venant des entrailles, à partir du milieu, donc du milieu de leurs frères, ça veut dire des entrailles de leurs frères, dans son sein, dans leur ventre, être entré, l'intérieur, les entrailles, donc mi kerev, c'est en venant de kerev, en venant des entrailles. Donc c'est quand même déjà une petite nuance intéressante qu'il est bon de découvrir dans l'hébreu. Je vous rappelle qu'il y a toujours moyen d'apprendre l'hébreu sur notre site. Hein. J'insiste, je ne vais pas trop insister là-dessus parce que à chaque fois je le redis, mais bien sûr nous sommes là pour vous aider, pour vous aider à comprendre ceci justement, voilà, tout ce que je suis en train de vous montrer. Mais c'est quand même intéressant qu'un jour vous puissiez chacun découvrir au travers de l'alphabet, au travers des enseignements de l'hébreu, que vous puissiez apprendre vous-même à comprendre les mots, à lire les mots et à rechercher des prodiges vraiment, des trésors merveilleux et de retrouver là-dedans ce que Dieu est en train de nous montrer. Ce n'est pas un plaisir qu'on peut se faire, c'est vraiment obéir à Dieu. Excusez-moi du peu. Hein. Alors, maintenant, l'hébreu est important et la paracha de Shoftim, c'est une paracha de l'espérance.
Les mêmes commentateurs expliquent que la Torah, même si elle est immuable, elle va s'adapter à son public. Et c'est vrai que maintenant, on se trouve en présence d'un peuple qui a évolué. Ce n'est plus, on n'est plus avec Am Israël qui vient de sortir d'Égypte, là-bas. Mais c'est Adat Israël, en principe. Vous savez bien qu'on change parfois. Une fois on est Adat, une fois on tombe dans le péché charnel ou dans le vieil homme qui se corrompt, là, qui se réveille. On n'est plus Adat Israël à ce moment-là, on est Am Israël. Vous savez très bien que on n'est pas définitivement Adat Israël, je vous le signale tout de même. Et Adat Israël, ce vers quoi nous sommes appelés à devenir, c'est le peuple du témoignage. On va voir donc apparaître ici des nouveautés. Et tout d'abord, il faut savoir que la vraie Torah se retrouve dans les livres précédents, donc Bereshit, Genèse, Bamidbar, Exode, Vaikra, Lévitique, Shemot, Nombre, et ici nous sommes dans Devarim, Deutéronome, qui n'étant qu'une répétition. Devarim, c'est une répétition, Deutéronome, c'est une répétition. Répétition de tout ce qui précède, et c'est considéré sur un autre niveau que les quatre autres livres qui ont précédé. Et cette paracha Shoftim, donc cette paracha, cette section de la Torah appelée juge, va nous parler de prophétie, va nous parler mitzvot. On ne parle pas encore des livres des juges, mais c'est déjà la paracha juge. Donc on est déjà en train de tout doucement d'avancer. Vous allez voir pourquoi on parle de Shoftim aujourd'hui. Donc, ça va nous parler de prophétie et de mitzvot, de bonnes œuvres, on va dire. La paracha Shoftim, de même que toutes celles qui parlent de la préparation du peuple à rentrer en terre promise, elle nous parle de l'espérance, alléluia, mais d'une espérance qui doit encore se fortifier dans la patience et dans la persévérance. Alors, pendant que le peuple était encore esclave en Égypte, chacun aspirait à la délivrance, espérait le jour de la délivrance. Il attendait le jour où s'accomplirait enfin la promesse faite par l'Éternel à Abraham, Isaac et Jacob. L'attente était tellement longue, ça fait quand même quelques centaines d'années, il faut quand même bien le dire. L'attente, elle est si longue, tellement longue, que lorsque Moïse apparaît devant le peuple comme rédempteur potentiel, le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il gémit, il rumine. Parce que la délivrance ne venait pas assez vite. Quand il n'y a pas de délivrance en vue, écoutez, vous n'avez pas de délivrance en vue, vous, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous le prenez sur vous et on n'attend plus rien, voilà, c'est bon, quoi, on n'attend plus rien. Mais dans le moment où quelque chose lui à l'horizon, où Dieu est en train de vous promettre, ça va venir, je te préviens, voilà, je t'ai averti, ça va venir. Eh bien là, notre âme, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de se réjouir, elle explose. Elle dit « Oh, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre !» Voilà, c'est une explosion de l'âme. Au lieu de se réjouir « Enfin, Dieu va répondre !» Ben non, justement, c'est le contraire. L'âme, elle explose de colère, de rancune. Et c'est vraiment ce que le peuple vit, le peuple hébreu a vécu. Lorsqu'un être humain attend... espère quelque chose depuis longtemps, lorsque ce qu'il espère commence à arriver, commence finalement à pointer à l'horizon, que les choses vont finir par se concrétiser, au lieu de se réjouir, de prendre patience et de se fortifier, qu'est-ce qui fait son cœur? Il lâche. Son cœur, il va lâcher. Il ne peut pas supporter la vue de l'exaucement, en fait. C'est insupportable. Et quelque part, c'est inconscient, hein, ça ne dépend pas de nous, mais c'est comme ça, le cœur, il est comme ça. Alors, à cause du péché, c'est comme ça qu'est devenu, c'est à cause du péché que c'est comme ça qu'est devenu le cœur de l'homme. Inconstant, faible, brisé. À cause de l'épreuve, le cœur brisé, plutôt que de se préparer lentement et sûrement, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche prise, il lâche très vite prise, dès l'apparition d'une lueur d'espoir. Et c'est toujours comme ça, on est comme ça, on est fait comme ça, au lieu de se réjouir de la lueur d'espoir qui est en train de pointer à l'horizon, non, on pète un câble, comme on dit, hein. on explose, voilà, on explose, voilà, c'est comme ça, ça arrive souvent. D'ailleurs, vous pouvez
demander à quelqu'un qui souffre, viens mon frère, on va prier, ça va aller mieux après, ben, qu'est-ce qu'elle fait la personne? Elle va dire, ah oh, merci mon frère, je me réjouis de la réponse, merci bientôt, je vais délivrer parce que tu as reçu de Dieu. Non, la personne, elle va exploser, elle va même aller faire marche arrière. Donc il faut toujours faire attention à savoir devant qui on se retrouve. Le cœur de l'homme a été créé pour espérer, et à cause du péché, le cœur de l'homme a été créé pour espérer, ou du moins Dieu l'a adapté afin qu'il apprenne l'obéissance, la soumission, la teshuva. Donc la teshuva, c'est la repentance. Alors il est fort probable qu'avant la chute, même si la situation était différente, le cœur de l'homme était déjà créé pour espérer. Je vérifie toujours un petit coup d'œil sur notre live pour savoir si ça tourne quand même bien. Et si l'espérance fait partie du caractère inné de l'être humain, s'il n'y a plus d'espérance, la vie n'a plus aucun sens. Admettons, allez, vous êtes chrétien, croyant, voilà. Voilà, Dieu est en train de vous montrer, voilà, ça y est, tu es presque en haut, tu y es, et Dieu vous montre, de vos yeux, vous montre le ciel. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ben, c'est pas possible, c'est pas supportable, vous devenez fou, quoi. Eh bien, pendant que l'esclavage en Égypte agissait longuement, brutalement, violemment sur le peuple hébreu, il était là dans la violence, pas lui, mais. Les Égyptiens, ils étaient violents avec eux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le cœur de ce peuple pendant ces centaines d'années? Il s'est forgé une protection. Il s'est forgé une carapace pour se protéger. C'est une carapace, elle est normale. Sinon, vous ne tiendrez jamais le coup pendant tant d'années, quoi. Le peuple hébreu s'est mis une carapace au-dessus de lui. Et c'est, merci Seigneur, il y a cette carapace. En attendant, c'est à cause de cette carapace qu'il ne peut plus accepter aujourd'hui d'autres sauveurs comme Yeshua. Alors, quand on est du monde, écoutez bien, quand on est du monde, on est invulnérable. Quand on est du monde, on est invulnérable. Quand on est de Dieu, on est vulnérable. Une fois que vient la nouvelle naissance, le cœur de l'homme devient sensible à Dieu, sensible à l'amour, sensible à son prochain. Tous ses sens, l'âme, la pensée, tous ses sens sont exacerbés, sont mis à vif, sont mis à vif. Ça signifie aussi que la moindre difficulté, la moindre dispute, le moindre mensonge, la moindre injustice devient pour lui une véritable catastrophe. On vit des choses parfois difficiles entre nos frères, entre nous, c'est une catastrophe. Vous vous disputez quand vous êtes du monde et que vous êtes marié et que vous divorcez, ben ouais, bon, c'est un petit peu un choc, mais bon, ouais, de toute façon, voilà. Ou bien votre mère vous insulte, ou bien vous avez été rejeté par votre père. Bon, c'est quand même des choses fortes quelque part. Ben, vous êtes du monde, vous vous créez une carapace et vous tenez bien le coup. Votre carapace, c'est quoi? C'est votre cou. Votre cou, votre orgueil, moi, et on tient bien le coup comme ça parce qu'on n'a pas Dieu. À partir du moment où on a Dieu, eh bien, c'est différent. Et on a justement, quel est l'ennemi de la nouvelle naissance? Je vous pose la question. Quel est l'ennemi de la nouvelle naissance? Eh bien, la réponse, c'est le cou. Dans le monde, on tient très bien le coup grâce au cou. On tient très bien le coup grâce au cou. J'avais un petit moustique sur mon. Dans le monde, on tient très bien le coup grâce au coup. Le monde païen vit par l'injustice, par le mépris, par le mensonge. La Bible parle d'ailleurs souvent du coup comme preuve de l'orgueil humain. Quelques passages pour s'en convaincre. Job 41, verset 22. La force a son coup pour demeure et l'effroi bondit au-devant de lui. Néhémie 9, verset 16, mais nos lèvres se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou, ils n'écoutèrent point tes commandements. Donc, c'est à ça qu'on vient si quelqu'un est véritable, c'est à ça qu'on voit si quelqu'un est véritablement né de nouveau. On se pose la question souvent, mais est-ce qu'un tel est né de nouveau?
Oui, mais est-ce que tu es né de nouveau, mon frère, ma sœur? Mon frère, ma sœur, écoutez-moi bien, écoute. Est-ce que tu es né de nouveau? Voilà, on te pose la question. On te dit, mais est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né d'en haut? Est-ce que tu appartiens à Dieu? Est-ce que tu lui appartiens? Maintenant, tu vas me dire, mais dans mon cœur, je le sens, etc. Mais écoutez, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est né de nouveau? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est né de nouveau? Ben, son cœur a changé. C'est le cœur qui a changé. Ce n'est pas ce qu'il fait ou ce qu'il dit qui va compter. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Vous pouvez raconter, oui, mais j'ai fait ceci. Oui, mais j'ai fait cela. Oui, mais pendant ceci, j'ai fait ceci. Et j'ai fait cela. Et j'ai fait ceci. Et j'ai fait cela. Mais, et alors, ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui va compter? Qu'est-ce qui va montrer que vous êtes véritablement né de nouveau? C'est est-ce que vous savez vous plier? Est-ce que vous savez vous courber? Est-ce que vous savez patienter? Est-ce que vous savez souffrir avec les autres? Est-ce que vous savez vous tordre de douleur? Je te pose la question, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu sais te tordre de douleur dans les difficultés, lâcher prise lorsque Dieu te montre quelque chose, lorsque tu as un frère ou une sœur qui souffre? Est-ce que tu te tords de douleur? Est-ce que tu pleures parce que ton frère ou ta sœur souffre? Est-ce que tu souffres? Est-ce que ton cœur a changé? C'est ça. Est-ce que ça, c'est l'image parfaite? Alors, on a une image extraordinaire dans le Nouveau Testament. C'est l'image du blé et de l'ivraie. Le blé est plein de graines. Le blé, il est appelé à monter et avoir des graines. Au moment où il grandit, là, il est tout gamin, là, hein, le blé, c'est tout gamin. Il est tout gamin, mais à côté, il y a de l'ivraie qui pousse en même temps. Vous ne voyez pas la différence. Pourquoi? Parce que le blé n'a pas de graines au début. Quand il pousse comme ça, il faut que le temps avance, il faut laisser le temps avancer, et c'est à partir du moment où le blé commence à porter des fruits, des graines, parce que ce n'est pas des fruits, ce sont des graines, le blé commence à courber sous le poids. Et qu'est-ce qui ne courbe pas sous le poids? Ben, c'est bien l'ivraie. L'ivraie n'a pas de graines, il n'y a pas de graines, et l'ivraie monte droit vers le ciel en disant, je monte, moi. Ah, moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela, moi, je. Ça, excusez-moi, mais vous n'êtes pas un blé, là. Vous n'êtes pas un blé qui est en train de souffrir, en train de plier sous les fruits, sous les graines. Vous êtes en train de plier, vous voyez même plus ma tête sur l'écran, parce que vous êtes plié, là, vous souffrez. Eh bien, le blé est plein de graines et courbe sous le poids. L'ivraie ne porte aucune graine, elle peut donc élever sa tête fière et droite. À l'inverse, dans le monde, les hommes cherchent à tout prix la meilleure place, le meilleur mari, la plus belle épouse, le meilleur salaire, la fortune. Un homme heureux est un homme qui a une épouse. Écoutez, je vais en choquer là, je suis certain que je vais en choquer. Un homme heureux est un homme qui a une épouse qui a perdu de sa première beauté à cause des différents enfants qu'elle a portés dans son sein. Oh! Un homme malheureux est un homme dont la femme reste toujours belle et elle n'a pas d'enfant. Elle est toujours belle, elle n'a pas d'enfant. Ça ne m'intéresse pas, moi. Je préfère être belle, mais je m'occupe de ma beauté, de mon rimmel, de mon maquillage. Je veux tirer ma peau quand j'aurai 50 ans ou 60 ans. Je vais tirer ma peau au maximum parce que je veux rester toujours belle. Et je n'ai pas d'enfant, moi j'en veux pas. Oh là là, oh les problèmes. Oh non, merci, pas de problème. Voilà, je ne veux pas d'enfant. Eh bien, un homme malheureux est un homme dont la femme reste toujours belle et sans enfant. Alors, on dit aussi que c'est le diable qui tient les hommes par leur argent et leurs biens matériels. Ce n'est vrai qu'en partie. On n'a pas besoin du diable pour se perdre dans ce monde. On n'a pas besoin du diable. On ne venait pas tout le temps dire, oui, mais le diable, on en a marre à la fin, le diable. Mais t'as pas besoin du diable pour te perdre. Par rapport à l'état du cœur de l'homme, les dangers inhérents à la richesse augmentent toujours plus. Chez ceux qui sont immensément riches et qui possèdent tout ce qu'ils désirent, la forte diminution de l'espérance s'amenuisant, leur cœur se sent instable devant une situation incontrôlable et instable. Je vous en ai déjà parlé de ce témoignage d'un chanteur, pour ne pas le nommer Johnny Hallyday, il l'avait déclaré une fois. Je ne sais plus si c'est dans un certain Paris Match ou dans un texte. Je ne pense pas que c'était
enregistré, mais c'était écrit dans un texte, est-ce que c'était vrai ou pas, mais en tout cas, il a déclaré, lui, il a dit, j'ai tout eu dans ma vie, la fortune, les femmes, les voitures, les maisons, l'adoration de mes fans, mon public, j'adore mon public m'adore, c'est véritablement une idole qu'on adore, hein, comme un dieu, quoi. Hein. Et il ne me reste plus qu'une chose, me suicider. Voilà, c'est lui-même qui l'a dit. Pourquoi? Il est arrivé au sommet, et comme il n'y a pas plus haut que le sommet, puisque vous n'êtes pas un dieu, mais que vous n'êtes qu'une créature humaine, il n'y a pas plus haut que votre sommet, eh bien, à moins de prendre une fusée, la seule chose à faire, c'est de redescendre. Voilà quoi. Romains 8, 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est en espérance que nous sommes sauvés. L'espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, est-ce qu'on peut l'espérer encore? Vous voyez quand même l'importance de l'espérance. Hein? Alors, j'en ai déjà reparlé et j'aime bien insister là-dessus, quoi. J'aime bien insister là-dessus parce que ça revient sans arrêt. On est tellement imbu de nous-mêmes. La gloire dans le cœur de l'homme. Écoutez bien, la gloire dans le cœur de l'homme, c'est comme un moteur de fusée dans un vélo. Vous avez votre vélo, voilà mon vélo, il est là. J'ai un tout petit appartement, je vous signale, comme ça, j'ai mon vélo, j'ai pas un garage, tout ça. Donc mon vélo, il est dans mon appartement, voilà, bon, il est là contre, voilà. Eh bien, j'ai mon vélo, ben là. Alors, la gloire dans le cœur de l'homme, c'est comme un moteur de fusée dans un vélo. Imaginons, allez, imaginez, on bricole un moteur de fusée sur votre vélo. Vous avez votre vélo, vous voudriez un moteur, mais un moteur de fusée, hein? Les pédales, vos pédales, elles ne serviraient plus à rien. Les roues n'auraient plus d'utilité. Les freins, encore moins, les freins, pourquoi faire les freins? Vous êtes une fusée, vous êtes parti, vous allez pas, vos freins, vous n'allez pas arrêter votre vélo. Les moteurs de fusée sont plus performants dans le vide, en plus. Plus la pression atmosphérique augmente, moins le moteur est performant. Le moteur fusée est un moteur à réaction destiné à la propulsion d'un véhicule grâce à la projection d'un fluide, gaz liquide, du propergol liquide on dit, vers l'arrière de la combustion. Tout ce qui fait partie du caractère du vélo ne sert plus à rien. Ce truc-là, il vous pousse derrière vous pour vous faire avancer vers l'avant. Donc ce n'est plus vos pieds qui poussent sur la pédale, mais c'est quelque chose qui vous pousse en avant. Donc ça signifie techniquement, maintenant si j'en reviens à la gloire, hein, la gloire n'est pas faite pour l'homme, ça ne fonctionne tout simplement pas. Ça ne tient pas, ça ne marche pas quoi. La fusée sur un vélo, ça ne marche pas. La gloire sur le cœur de l'homme, ça ne marche pas. Ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Non seulement le vélo n'avancera pas, mais en plus, il explosera. Vous faites le compte à rebours pour envoyer la fusée, ben votre vélo, il va exploser. Voyez? Eh bien, la réalité est bien différente de ce que l'on imagine, et l'on a vu dans la paracha, avec l'endurcissement du cœur de Pharaon, que Dieu, pour endurcir le cœur de Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait tout le contraire de ce qu'un homme voudrait faire. Au lieu de briser son cœur, vous vouliez briser le cœur de Pharaon? Vous auriez voulu tuer son fils, vous auriez voulu lui faire mal, le blesser dans sa chair, lui faire perdre plein de choses dans son corps, qu'on le coupe, qu'on le scie, je ne sais pas quoi. Ben oui, ok, mais au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de faire souffrir le pharaon dans d'atroces maladies, qu'est-ce que Dieu y fait? Il va faire une chose apparemment illogique, il va le glorifier. Il va le glorifier. Dieu va rendre le cœur du pharaon en hébreu kavod. Je vous le montre parce que ça, faut quand même savoir ces choses. Pourquoi est-ce qu'il faut savoir ces choses? Tout simplement parce que si vous êtes contre, si vous devenez un ennemi de Dieu, si vous devenez par l'une ou l'autre raison ennemi de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Eh bien, au lieu de vous faire mal, il va vous faire du bien pour que justement votre cœur s'enorgueillisse et que vous ne sachiez plus faire marche arrière. Votre cœur est tellement imbu de lui-même, vous ne saurez plus revenir en arrière. Kavod, donc la gloire, c'est le poids. Vous êtes lourd, riche, énorme, considéré, endurci, honoré, glorifié, appesanti, traité avec des honneurs,
On parle alors d'être lourd, d'être pesant dans une balance. On met une balance, vous êtes douloureux, dur, riche, honorable, vous voyez un petit peu. Et lorsque le cœur de Pharaon va s'enfler, il ne pourra plus jamais revenir en arrière, soit pour accepter sa condition de mortel, soit sa condition de Dieu adulé par tous. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on devient quelqu'un de connu, aimé, adoré par tous. C'est difficile, si pas impossible, humainement, de revenir en arrière. Qu'il y ait eu ou pas le péché originel, le cœur de l'homme n'a pas été créé pour durer éternellement. Ça, je pense, j'espère que vous avez compris ça. Le péché de Adam et Ève n'ont rien à voir avec le cœur de l'homme qui, lui, n'a pas été créé éternellement. Adam et Ève ne devaient pas vivre éternellement. C'était des milliers d'années peut-être, mais pas éternellement. Le cœur de l'homme a été créé pour un but, pour espérer. Alors, à partir du moment où il n'y a plus d'espérance, le cœur ne peut plus le supporter, il doit mourir. Alors, une chose aussi importante, c'est que Dieu n'a jamais été appelé espérance. Vous n'avez jamais vu ça nulle part dans la Bible, que le nom de l'Éternel, c'est espérance. Pourquoi ? Mais parce qu'il est la fin de l'espérance. Pourquoi l'homme doit-il mourir devant la présence de Dieu ? Ben, pour toutes les raisons que nous avons déjà indiquées, le péché, le manque de sainteté. Mais il y a une chose à laquelle personne ne pense jamais, Dieu est la fin de l'espérance. Dieu est la fin de l'espérance. Yeshua n'a jamais dit qu'il est l'espérance, il n'a jamais dit « je suis l'espérance, je suis l'espoir ». Il a dit « je suis la porte, la vérité, la vie », mais il n'a jamais dit « je suis l'espoir ». On n'a jamais appelé Dieu espérance. Dieu est Dieu, il est la fin du chemin, il n'y a plus rien après lui. On espère en Dieu, mais une fois qu'on sera devant lui, il n'y aura probablement plus d'espérance ni d'espoir. Je dis probablement parce qu'on n'y est pas, on n'en sait rien. Mais peut-être que Dieu aura recréé des nouveaux cieux et une nouvelle terre dans laquelle il y aura toujours une distance par rapport à l'Éternel et par rapport à sa puissance et sa gloire, que nous n'aurons jamais accès à cette gloire, ni nous serons toujours dans l'espérance, puisque nous avons été créés comme ça. C'est une idée, hein, je n'ai pas dit que c'est écrit tel quel, hein, mais c'est une question que je me pose. Lorsque nous serons là-haut, est-ce qu'il n'y aura quand même pas toujours de l'espérance ? Bien sûr, c'est peut-être une fausse doctrine, hein, je n'en sais rien, c'est une question que je me pose. La seule façon pour résister à cela, c'est d'être comme lui. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller au ciel comme nous sommes avec notre cœur humain. On ne tiendrait pas le coup et ça n'a rien à voir avec le péché. C'est tout simplement qu'on n'est pas fait pour ça. Nous avons été créés finis et nous ne pouvons pas être auprès de Dieu infinis. Bien sûr, quand nous serons ressuscités, alors effectivement, nous serons comme lui. La Bible dit nous serons comme Yeshua, nous serons comme notre Rédempteur. Donc effectivement, on n'aura plus besoin de l'espérance puisqu'on sera... Mais enfin, c'est des réflexions un petit peu qui vont un peu loin, je ne vais pas aller trop loin. En tout cas, ici, Shoftim, puisque c'est la paracha, avant de rentrer en terre promise, le peuple vivait pour lui-même. Alors regardez bien, est-ce que mon frère, ma sœur, tu vis pour toi-même? Est-ce que tu vis pour ton salut? Est-ce que tu vis pour ta guérison personnelle? Est-ce que tu vis pour... ton bien-être, est-ce que tu vis pour être bien dans ta vie, est-ce que tu vis, ah oui, mais je voudrais bien pour que je sois à l'aise financièrement, je voudrais, oui, mais je veux vivre bien, je veux être bien, à mon aise, je ne veux plus avoir de problème dans ma vie, est-ce que tu es comme ça, mon frère, ma sœur? Alors, Shoftim, mais avant de rentrer en terre promise, le peuple, il était comme ça en tout cas. Il vivait pour lui-même. Pendant 40 jours, quelques 40 jours avant sa mort, Moïse, devant l'imminence de la rentrée du peuple en terre promise, Moïse va commencer à aborder toutes les questions relatives à la direction du peuple hébreu. Donc il va aborder des questions fondamentales. C'est cette paracha Shoftim, justement, des juges, qui va nous montrer... Ben, il faut se préparer à réfléchir, vous ne vivez plus pour vous-même, maintenant vous allez vivre en société, comment est-ce qu'on va régler ces affaires-là? La Torah a été donnée par Dieu au peuple d'Israël, d'abord de manière individuelle puis collective. À la veille de rentrer dans la terre promise, Dieu va donc donner des lois qui vont légiférer
la vie en société, la direction des villes, l'organisation du jugement entre les hommes. Il ne s'agit plus ici de légiférer des relations entre toi et Dieu, entre nous tous et Dieu. C'est plus de ça qu'il est question. Maintenant, on doit... Ici, on parle des relations entre nous tous, dans la société. Ce sont des lois pour le bien-être, le bien-vivre en société, pour l'établissement d'une justice de proximité. On a assez parlé maintenant. Tu veux être obéissant à Dieu, si tu veux avoir ta relation personnelle avec Dieu, si tu veux être sauvé, si tu veux être saint, si tu veux être kadosh, etc. Ok. Mais ici, on va rentrer en terre promise. Maintenant, on organise la vie en société. Maintenant, vous êtes un peuple témoin, je l'espère en tout cas. Maintenant, vous devez chercher à faire quoi ? Eh bien, à vivre entre vous. À vivre entre vous. Vous ne vous entendez pas. Nous ne nous entendons pas parce que nous n'avons pas les mêmes idées, les mêmes pensées, les mêmes buts, les mêmes appels parfois. On ne pense pas même au niveau de l'appel, mais on a reçu quelque chose véritablement reçu de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas reçu la même chose que moi. C'est ça l'appel. C'est justement ça la différence, c'est que chacun reçoit un appel. Et peut-être parfois ça se heurte. Eh bien, la vie en société, elle est fondamentale parce qu'on doit gérer. Et Shoftim, ça règle ce genre de problème. Lorsque nous recevons de Dieu la nouvelle vie en Yeshua par son sang, au début, nous vivons pour nous-mêmes, pour notre salut, pour notre sanctification, pour notre bonheur, pour notre famille, pour nos enfants. Alors, plus tard, alors que nous sommes devenus un peuple Edat Israël, le peuple témoin, voulant faire connaître au monde ce que nous avons vécu, nous ne vivrons plus pour nous-mêmes, mais nous vivrons pour les autres. Nous vivrons pour les autres. Dans Shoftim, la vie du peuple hébreu va se développer davantage en société plutôt qu'individuellement et toute une série de lois seront établies afin que personne ne soit une pierre d'achoppement pour son voisin. L'idolâtrie, par exemple, hein, c'est l'un des péchés qui va nuire le plus à l'ensemble de la population. Tout le monde paye les conséquences du péché d'idolâtrie. Moïse va donc commencer ici par prescrire aux enfants d'Israël, de nommer des juges intègres. Il va donner plus tard des règles concernant les rois, les prophètes et les Kohanim. Je regarde si notre live fonctionne. Est-ce que... oui, ok. Donc, il va donner plus tard des règles concernant les rois, les prophètes, les Kohanim. De nombreux commandements seront ajoutés comme leur nomination, l'obligation de suivre la Torah, les paroles des prophètes, les obligations du roi, la punition pour parjure, les lois de la guerre et la procédure à suivre lors de meurtres irrésolus. Alors, il va établir des lois pour condamner à mort ceux qui ont été reconnus coupables d'idolâtrie au terme d'un procès réel. Bien sûr, aujourd'hui, ces choses ne sont plus d'actualité, mais on devait régler ces choses-là à ce moment-là. Alors, il détaille la façon dont un roi, s'il venait à accuser quelqu'un de faux prophète, voilà, il y a un faux prophète. Le roi, le responsable, il va accuser. Voilà. Alors, il devra exercer son pouvoir. Quels sont les critères pour reconnaître un faux prophète ? Quels sont les critères ? Quels sont le jugement ? Quels sont le châtiment ? Quelles sont les règles des villes de refuge aussi lorsque quelqu'un... quelles sont les peines encourues par les faux témoins aussi ? Le droit de la guerre, la façon d'expier un meurtre dont le coupable est inconnu, par exemple. Alors, puisqu'il sera question de sacrifices que nous offrons à l'Éternel et qui doivent être exempts de défauts, eh bien, voilà, donc ce sont toutes ces choses qui seront mises. Alors, Moïse demande aux Hébreux, à ce moment-là, ici, de couronner un roi. Après être entré en Israël, un roi ne pourra pas accumuler une quantité excessive de chevaux, d'épouses et de richesses personnelles. Le roi écrit pour lui-même deux rouleaux de la Torah. L'un d'eux doit rester avec lui à tout moment, en rappel constant de la nécessité pour lui de rester humble et de suivre la loi de Dieu. Les Kohanim, donc les sacrificateurs, ont eux été choisis par Dieu pour être des saints serviteurs. Ils ne reçoivent pas d'héritage en terre d'Israël parce que Dieu est leur héritage. Au lieu de cela, les Kohanim sont des bénéficiaires des différents dons sacerdotaux.
y compris certaines portions de viande. Vous savez, ils réservaient certaines parties des viandes d'animaux abattus pour un usage privé, ainsi que le prélèvement des récoltes et la tonte de certains des animaux. Concernant les familles sacerdotales, elles seront divisées en plusieurs groupes, servant dans le temple à tour de rôle. Et un Cohen conservera toujours le droit de venir au temple et d'offrir personnellement ses propres sacrifices. Vous savez que c'est un peu à cause de ça, un peu grâce à ça, on va dire, cette division en groupe de Cohen qui servent dans le temple à chacun un tour de rôle. On savait exactement qui servait quand et à quel moment donné et à quelle période de l'année. On savait exactement qui était souverain sacrificateur lors de la naissance de Yeshua et lors de Jean-Baptiste aussi. Et c'est un petit peu comme ça qu'on est parvenu à la conclusion, à la déduction que Yeshua n'était pas né en décembre, mais qu'il était né à une autre période. Je ne sais pas si c'était en octobre, en tout cas une période où les brebis et les agneaux étaient encore dehors. Alors, une étude dernièrement à Pessah, je vous les ai passées sur Internet, une étude qui expliquait que ces agneaux et ces bergers qui étaient dans les champs à ce moment-là, c'était des bergers qui devaient servir pour la fête de Pessah. Et donc, ça veut dire que la naissance de Yeshua se serait passée durant la fête de Pessah. Donc, vous avez des débats, on peut discuter là-dessus. Mais en tout cas, selon l'ordre des sacrificateurs, on sait exactement voir à quel moment donné Yeshua est né. Et c'était sûrement pas en décembre. Alors, Dieu dit que le peuple n'a pas non plus besoin de toutes ces pratiques abominables, idolâtres, parce que ce sont les prophètes qui transmettent les messages de Dieu à son peuple et personne d'autre. Il nous est donc commandé d'obéir à ces prophètes. Le non-respect des paroles des prophètes sera sanctionné de même qu'une personne qui prétend parler faussement au nom de l'Éternel. Vient ensuite le commandement d'établir des villes de refuge pour le meurtrier, par accident. Moïse commande aux Hébreux de désigner 6 de ces villes et lorsque Dieu étendra les frontières du pays avec la venue du Messie, du Mashiach, d'ajouter 3 autres villes de refuge. Toute condamnation dans une affaire impliquant des châtiments, capitaux ou corporels, devrait être validée par 2 témoins. Les personnes qui témoignent faussement sont susceptibles de recevoir une punition qu'elles ont voulu imposer à leurs victimes. Donc, c'est eux qui vont payer ce qu'ils ont voulu faire aux autres. La procédure de la guerre est décrite dans cette section aussi. Quand les troupes approchent du champ de bataille, un Cohen adresse à elles en les avertissant de ne pas craindre l'ennemi et en énumérant les différents individus qui sont exemptés du devoir militaire, puisqu'il y a des gens qui ne doivent pas faire la guerre et il y a des raisons pour ça. Comme celui qui essaie, par exemple, que celui qui s'est récemment fiancé ou qui vient de construire une nouvelle maison ou encore une personne craintive. Donc il y a des cas où on ne doit pas mettre à la bataille des gens sur lesquels vous ne pouvez pas faire confiance. Il faut des gens qui n'ont pas la tête ailleurs pendant qu'ils sont en train de combattre l'ennemi. Alors, aussi quelque chose, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ce n'est pas le Nouveau Testament qui le dit, c'est aussi dans la Torah. Alors, dans le Nouveau Testament, ce texte, c'est de Romains 12, 17 à 18. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alors, non seulement Dieu permet qu'il y ait des guerres, mais en plus, c'est lui qui souvent. Alors là, je vais me faire taper sur les doigts, là. Là, je vais me faire taper sur les doigts. Si Dieu permet qu'il y ait des guerres, en plus, c'est lui qui souvent les provoque. N'est-il pas souverain? Dites-moi, n'est-il pas souverain? N'est-il pas au contrôle de toutes choses? Toutes choses n'ont-elles pas été faites par lui et pour lui? Il faut me dire, hein? Est-ce que tout a été fait par lui et pour lui? Oui ou non? Tout ce qui existe, les guerres y compris, ont été faites par lui et pour lui. Tout a été fait par lui et pour lui. Elles sont là pour un but. Montrer qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Ceux qui lui appartiennent
sont des instruments de paix tant que ça dépend de vous. Du moment que ça dépend de vous, soyez en paix. Mais si ça ne dépend pas de vous, mais alors secouez la poussière de vos chaussures. Pour Dieu, une des choses les plus importantes dans ce bas monde, ce n'est pas la paix, la joie ou le bien-être. Je répète, voilà, je vais me faire taper sur les doigts, mais écoutez-moi bien. Pour Dieu, une des choses les plus importantes dans ce bas monde, ce n'est pas la paix, ce n'est pas la joie, ce n'est pas le bien-être, mais c'est de savoir qui lui appartient. Qui lui appartient ? Afin de voir de manière claire, précise et sans aucun doute qui lui appartient, qu'est-ce qu'il va faire ? Dites-moi. Eh bien, il va susciter un ennemi pour voir comment ses enfants vont réagir. Si Yeshua a dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde », Matthieu 5, 14, si vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alors, forcément, excusez-moi, mais il va créer les ténèbres, hein, pour révéler la lumière que nous sommes. Il va créer les ténèbres pour révéler la lumière que nous sommes. Si Yeshua a fait de nous des lumières, c'est donc qu'il a dû faire aussi des ténèbres pour y mettre sa lumière. Malachie 3, 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. On en revient toujours au même point, savoir qui est né de nouveau et qui ne l'est pas. Qui est-ce qui travaille pour Dieu et qui est-ce qui travaille contre Dieu? Qui travaille selon la voie du Saint-Esprit ou qui travaille pas pour Dieu, mais pour sa dénomination, on va dire. J'aime bien comme ça. Avant de livrer bataille contre un ennemi ou au combat, l'Éternel commande de faire une proposition pacifique. C'est seulement si l'ennemi n'accepte pas cette offre que la bataille s'ensuit. Dans les batailles contre la nation cananéenne, si l'ennemi n'accepte pas l'offre de paix, il est commandé aux Israélites de les anéantir complètement. Il leur interdit de couper les arbres fruitiers en assiégeant une ville. La lecture se termine par la procédure à suivre en cas de meurtre non résolu. La paracha attache pratiquement plus d'importance aux juges qu'à ceux qui vont gouverner les pays, les rois, les chefs, les religieux, les prophètes. Et il y a plusieurs raisons. Les shoftim, ce sont des législateurs, des gouverneurs qui décident au nom de l'Éternel, qui prononcent des condamnations et ont finalement droit de vie ou de mort, puisque ce sont eux qui sont non seulement les législateurs, mais aussi les exécuteurs des condamnations. Alors, voyons un petit peu Shoftim. Shoftim dans l'hébreu. Shoftim. Voilà, j'ai enlevé mon pull, c'est pour ça, et ça brille un certain temps. Donc, Shoftim. Voilà, comme ça. Le mot Shoftim, juge, vient de la racine Shafat. Vous savez que Josaphat, Yehoshaphat, ça vient de Dieu juge. Dieu est juge. Juger, être juge, faire le juge, prononcer, punir, gouverner, défendre. Dans la forme courante, on a trois sens. D'abord agir comme un législateur, un juge ou un gouverneur. Donc, un gouverneur, un juge, Dieu ou l'homme, hein, soit Dieu, soit l'homme, qui décide, qui gouverne, qui juge. Deuxièmement, c'est celui qui va décider d'une controverse, soit Dieu qui va décider de la controverse, soit l'homme toujours. Et troisièmement, c'est celui qui va exécuter un jugement. Donc, un jugement judicieux, un jugement sagace de l'homme, un jugement justifiant, condamnant et punissant à la venue théophanique pour le jugement final aussi. Donc, voilà trois sens, on va dire, agir comme un législateur, décider d'une controverse et exécuter un jugement.
Alors, il faut savoir, avant d'aller plus loin, que le juge par excellence, Adonai Shoftenu, c'est l'Éternel notre juge. L'Éternel est notre juge. Adonai Shoftenu. Alors, Ésaïe 33, 22, c'est un chant qu'on connaît très bien. Et on va voir que Ésaïe, dans son adoration, révèle plusieurs des attributs de l'Éternel. Des attributs où il montre que l'Éternel est notre juge. Là, on s'en doutait un petit peu, il faut dire. Par contre, l'attribut suivant étonne puisqu'il parle des lois écrites. En effet, lorsque Dieu a donné à Moïse ses lois, il y avait des lois, des ordonnances, les sacrifices sur base de la Torah, et puis on avait des chukim, puis on avait des mishpatim, et puis on avait des edim, c'est-à-dire des lois qui sont des témoignages vivants, et puis on avait des petachim, donc des purifications des femmes, puis on avait des daatot, des lois, des décrets. Les chukim dont il est question, c'est des lois écrites, et si on dit législateur, c'est donc que c'est bien Dieu qui a imaginé et écrit des décrets, qui a mis en place et ordonné ces lois-là. Donc, il ne faut pas venir dire que c'est de l'homme, ce sont des lois de Dieu. Alors, on a un chant qui Adonai Shoftenu, Adonai Mechokekenu, Malkenu ou Yoshienu. Donc, c'est un chant pour certains de notre assemblée. Ça va tout de suite vous flasher dans l'esprit quelle est la musique. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Le chant Nisgav Adonai. Nisgav Adonai, Kishorem Aaron. Voilà. Le chant Nisgav Adonai nous est bien connu. Il nous habitue à ces paroles d'Ésaïe 33, 22, dans lesquelles l'Éternel est aussi notre Mechokekenu, législateur. Mechokekenu, ça vient de Chukim. Mechokekenu, qui vient de. Ce mot qui vient de la racine Chakak a donné Chukim. Cet attribut fait de l'Éternel un écrivain, puisque le mot chakak, ça veut dire bâton, souverain, législateur, tout ça, okay, mais ça veut dire aussi tracer, prononcer, se tailler, écrire, regarder, décret, inscrire, excusez-moi, voilà. Décret, inscrire, fixer, graver, tailler, peindre, gouverner. Donc la forme courante, c'est couper, graver, inscrire, écrire, tracer, marquer, inscrire. Ordonné, décrit, et le mot mechokekenu est donné dans sa forme poel. Poel qui est un verbe au participe masculin singulier dans une forme construite intensive, c'est du piel, c'est une forme intensive, ce qui donne comme sens inscrire. C'est pas écrire sur du papier, c'est inscrire dans la chair, inscrire dans le marbre, décréter, c'est décréter, on n'y reviendra plus. Ou bien c'est celui qui décrète, donc voilà, législateur, c'est dans ce sens-là. Et le législateur, c'est quelque chose, je l'ai dit, je ne changerai pas. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, Deutéronome 16, 18. Alors, les deux premières apparitions du juge dans la Bible, c'est d'abord, il faut quand même savoir un petit peu d'où on vient. C'est d'abord lorsque Sarah dit à Abraham, en Genèse 16, 15, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. L'outrage. Devinez comment on dit en hébreu l'outrage, Hamas. Le Hamas, qui est ce groupe terroriste islamiste, islamique, palestinien, ça veut dire outrage, outrageux, outrage. Eh bien, Hamas, Chet, Mem, Samer, qui m'est fait retomber sur toi, j'ai mis ma servante Shifra, Shifra. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit Shaphat, soit juge entre moi et toi. Sarah a demandé donc l'intervention de l'Éternel, puisque personne d'autre ne prenait sa défense contre son propre mari. Alors, l'Éternel est donc le premier à être considéré comme le juge par excellence entre enfants de Dieu. Par après ayant peut-être appris une leçon de cette histoire avec sa femme, Abraham, lorsqu'il voulait faire sortir son neveu Lot de Sodome, a lui aussi invoqué le caractère de juge de l'Éternel, Genèse 18, 25, Genèse 18, 25, faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi,
cette manière d'agir. Loin de toi, dit-il à Dieu, celui qui juge, celui qui chafate toute la terre, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice ? Alors, donc, voilà, donc, alors, les juges ne sont jamais seuls, ils sont accompagnés. C'est un petit peu normal, sinon on a carrément la dictature, là. Hein. C'est vraiment, tu règnes en maître, voilà, quoi, personne, t'as rien, les gens n'ont rien à dire, tu décides et on t'obéit. Ben non, ici, avec les juges Shoftim, on va avoir des Veshotrim. On va avoir des Veshotrim qui vient de Shoter. Shoter qui vient d'une racine de écrire, commissaire, avoir autorité des magistrats. C'est quelqu'un qui est un officiel, c'est un fonctionnaire qui est officiel. C'est pas quelqu'un que oh, tu prends comme ça au hasard. Ouais, tiens, toi, nous on s'entend très bien. On a une affinité, je te nomme mon second. Pas du tout, pas du tout. Le roi, enfin non, le juge, il a des shotrim, des shoters, c'est des gens officiels qui ont une capacité d'écrire et qui ont une autorité. Les shotrim ont d'abord commencé à apparaître, ils ont commencé à apparaître en Exode 5-6, là où le pharaon donna un ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Dans l'Égypte des Ramsès, c'était des surveillants qui étaient même battus. C'est comme dans les camps de concentration en 40-45, c'était des gens qui souffraient, qui n'avaient pas le choix. Ils devaient se soumettre, sinon ils étaient exécutés. Donc, dans cette Égypte des Ramsès, ces surveillants, donc Exode 5-14, ont bâti même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par des inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui comme auparavant la quantité de briques qui vous avait été fixée? Donc, l'ennemi utilise aussi des shotrim. Hein, ouais, l'ennemi utilise aussi des shotrim pour briser le peuple juif, puisque en 40-45, on les appelait des capots. C'était des capots. Les malheureux, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient nommés, ils étaient désignés d'office, tu n'avais pas le choix. Soit tu faisais ce qu'on te demandait, soit tu t'es exécuté sur place. Les shotrim sont proches des gens, ils sont appelés à faire appliquer la loi. D'ailleurs, en Israël, on appelle la police la mishtara. Mishtara, ça vient de mi-shoter. Mi-shoter, ça veut dire qui vient de la fonction, qui vient de l'administrateur, qui vient de l'autorité compétente du magistrat. D'ailleurs, j'ai essayé de mettre en... Je ne pense pas qu'on le verra ici, mais en hébreu, mishtara, donc c'est sur la voiture, en fait. Vous voyez le « hey » derrière la policière qui est contre la voiture. Peut-être vous le voyez. À votre droite, à sa gauche, vous avez le « M » de mishtara. Et à sa droite, donc à votre gauche, vous avez le « hey » de mishtara. Donc, vous voyez bien « police mishtara ». Donc, c'est écrit. J'ai pas trop cherché pour trouver quelque chose de plus... Enfin, soit, ça n'a pas tellement d'importance. Mais en tout cas, mishtarot, ce sont les mishtara, mishtarot. C'est la police, c'est l'autorité compétente. Et le juge avait avec lui la police. Alors, nous sommes dans le verset, je sais même plus. Oui, Deutéronome 16-18. Deutéronome 16-18. Alors, qu'est-ce qui choisit? Des juges et des officiers, tu te donneras dans toutes tes portes, que l'Éternel ton Dieu te donnera. Donc, en rouge, j'ai retraduit un petit peu à l'hébraïsante. Donc, on a Shoftim Veshoterim, des juges et des officiers. Titen lecha bechol shearecha, tu te donneras dans toutes tes portes. Asher Adonai Elohecha, que l'Éternel ton Dieu te donnera. Noten lecha lish vatecha, pour tes tribus, veshaftu, et ils jugeront, et haam, le peuple, mishpat tzedek, un jugement de justice. Vous voyez, c'est pas tout à fait comme en français. En français, c'est tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. En français, c'est un peu différent. Merci pour Christine et pour tous ceux qui
qui sont nés de nouveau. Ah oui, on a parlé de la nouvelle naissance. Et alléluia, merci Seigneur pour tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Alors, les juges condamnent les accusés et même parfois aussi les magistrats. Les shoterim, les capots, ils étaient condamnés parfois. Eh bien ici, mais même en Égypte, les fameux capots, là, les shoterim, ils étaient condamnés souvent. Ils étaient parfois même exécutés. Les juges condamnent les accusés et même parfois aussi les magistrats. Ils sont parfois accusés eux aussi et ça arrive quelquefois dans la vie en société. Lorsqu'il n'y a pas Dieu, tout se dérègle rapidement. À l'origine, l'existence des villes provient du péché. Lorsque Caïn a tué son frère Abel par crainte de la vengeance des hommes, Caïn a fui loin de la face de Dieu. Genèse 4, verset 17. Caïn a connu sa femme, elle conçut et elle enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. On parlait déjà en Genèse 10, 12 de la grande ville du péché. Et Resen en Ninive et Salach, c'est la grande ville. Alors, la ville, un petit excursus là sur la ville. Les villes sont devenues un lieu de glorification des hommes. Il ne s'agit évidemment pas de ville-refuge, hein, rien à voir, mais c'est quand même une ville. Le mot ville, ça reste ville, mais le but est différent. Ces villes-refuges sont établies par Dieu pour sauver le coupable. Donc les villes existent, dès le moment où il y a le péché, il y a des villes. Donc il ne faut pas les renier, elles sont là. Alors, Genèse 11, 4, ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Alors, une ville, Ir, en hébreu c'est Ir, Aïn, Yod, Resh, une ville c'est le code 58-92, 58-92, Ir, Yod, Aïn, Yod, Resh, IYR, on va dire en français. Hein. Il s'agit d'un lieu gardé par un veilleur. Et dans le sens le plus large, même un campement ou un poste. Au départ, il ne s'agit donc pas de ce qui est la terre promise, où allait devoir s'installer le peuple. Parce que pourquoi est-ce qu'on parle de ville ici? Mais parce que justement, le peuple va s'installer dans les villes. Il va s'installer en terre promise. Donc on est en train de mettre en place les villes. Donc de quoi s'agit-il justement? C'est de ça qu'il est question. Au départ, il ne s'agit donc pas de ce qui est la terre promise où allait s'installer le peuple. On retrouve d'ailleurs dans la racine du mot, de Ir, qu'est-ce qu'on retrouve? Ennemi, terreur, agitation, angoisse. La ville ou la cité est un lieu et en plus où on reste éveillé. Pas question de faire Shabbat dans une ville. Pourquoi? Parce que Ir, ça veut dire être éveillé. Our. C'est la racine primaire, ouvrir les yeux, éveiller, veiller, se réveiller, sortir du sommeil, se lever, brandir. Bien sûr, on peut dire, ouais, mais c'est bien alors, il faut rester éveillé dans la foi. Ok, d'accord. Mais ici, ce n'est pas dans ce sens-là que Ir, la ville, sert à nous expliquer. Ici, on parle d'exciter, de sauter d'allégresse, d'agiter, de agiter, susciter, attiser. Donc, attiser les guerres, attiser, susciter, tiens. Eh bien, Our, avant que Dieu ne promette au peuple d'Hébreu de rentrer en terre promise, les villes dans la Bible étaient souvent des villes fortifiées. Quand vous regardez, vous faites une recherche, vous faites une étude sur les villes dans la Bible, bien sûr, on a les villes que Dieu a permises, etc. Mais au départ, ce sont des villes fortifiées des ennemis, des villes qu'il fallait dévouer par interdit, des villes qu'il fallait passer par le fil de l'épée, les villes où habiteront les enfants d'Israël seront généralement des villes qui auront été colonisées, qui auront été envahies par Israël. Alors, Deutéronome 6, 10, l'Éternel, ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Voilà, donc ça c'est un petit peu la phrase type, la phrase clé. Ce n'est pas Israël qui va construire à partir de rien des villes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont posséder des villes qu'ils n'ont point bâties. D'ailleurs, où est-ce qu'ils vont? En terre promise. Où est-ce qu'ils vont?
ils doivent chasser des peuples à Adin, ils doivent chasser des villes. Donc ce n'est pas eux qui vont construire une ville dans le désert du Negev. Non, ils prennent possession du territoire. Et c'est évidemment spirituel, ce n'est pas physique. Ici, on parle des Palestiniens, etc. Ça n'a rien à voir. C'est un mensonge. Israël n'est pas là pour voler la terre des Palestiniens. C'est un langage spirituel. Vous devez prendre possession du territoire qui a été volé par l'ennemi, par Satan, dans le cœur des hommes. C'est de ça que... C'est ça la vraie guerre, et pas du tout de combattre contre des Palestiniens qui se sont installés. C'est une image prophétique, on est bien d'accord. Et s'ils sont là, c'est pour nous montrer quelle est la signification prophétique de ça spirituellement, parce que vous savez bien que tout ce que vous vivez spirituellement, tout ce que vous vivez sur la terre, c'est une image de ce qui est dans les cieux, dans les ciels. Donc le comportement des Palestiniens, des Arabes, de l'Islam, c'est exactement ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Donc, il faut bien le savoir. Alors, on parle rarement dans la Bible des villes bâties par les Hébreux. Il est plutôt question d'invasion. Ce n'est pas parce qu'on a un ensemble de maisons et de propriétés avec des rues qu'on doit parler de ville. Bibliquement, donc, le principe d'une ville, au départ, je parle bien au départ, n'est pas dans la volonté de Dieu, puisque c'est l'endroit des dépravations, des meurtres, des déprédations, de la haine. C'est l'endroit où l'être humain va se réfugier pour fuir Dieu, Tarsis, pour Jonas, etc. C'est l'endroit où les hommes cherchent une identité de peuple puissant. Une ville, c'est pour se faire un nom. Voilà, on se fait un nom. Pourquoi ? Ben pour s'opposer à Dieu. Pour chercher une identité de nation forte à l'opposé de la vie de famille établi par l'Éternel pour le développement de son peuple. Alors, les villes sont donc des lieux où les hommes sont prédisposés à désobéir à Dieu. Dans une ville, vous avez plutôt tendance, tant qu'à faire, si vous avez bu un coup, qu'est-ce que vous allez faire? Je prends un exemple. Vous buvez un coup, à quoi vous pensez premier? Ouais, on va un petit peu, on va aller se manger un truc, on va un petit peu s'amuser, on doit se détendre, voilà, c'est toujours ce qu'on entend. On doit se détendre, voilà, on va aller faire ceci. Bien sûr, ce n'est pas interdit, mais c'est une ville où, la ville, c'est un lieu où on a une prédisposition du cœur. Le cœur, il se prédispose mieux à désobéir à Dieu, voilà. Si vous n'êtes pas en ville, votre cœur n'est pas prédisposé à désobéir parce que vous n'êtes pas dans un contexte, vous n'êtes pas dans un milieu où les gens fuient Dieu en réalité. Les villes, alors ça ne veut pas dire que ça, hein, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les villes, c'est aussi permis par Dieu, évidemment. Aujourd'hui d'ailleurs, il n'est plus question d'aller commencer à... partir tout le monde à la campagne, oui, les villes c'est du diable, Jacques il a dit que les villes c'est du diable, on va tous à la campagne. Je n'ai pas dit ça, ne me faites pas dire, il ne faut pas venir avec un esprit petit, un petit esprit pour dire, voilà, Jacques il a dit, il faut aller à la campagne. C'est pas ça, c'est pas ça que je veux dire. Alors, les villes représentent aussi des hommes. Tout ce qui a été dit, c'est normal quand on sait que spirituellement, les villes peuvent aussi représenter des hommes ou viennent habiter des esprits. Lorsqu'on se promène le soir dans certaines villes, souvent le soir, vous promenez dans des villes, quand vous êtes proche de Dieu et que vous allez là dans des endroits, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? On sent là les ténèbres ici, c'est quoi? On ressent encore plus lors de manifestations idolâtres. Lorsque vous avez... Au plus vous êtes proche de Dieu, au moins vous supportez d'être au milieu d'une manifestation idolâtre, une procession païenne, un culte païen, des fêtes païennes, des carnavals. Les carnavals, mes frères et mes sœurs, ça, moi je vous le dis, ça, moi, si vous êtes proche de Dieu, un carnaval, ça peut pas exister dans la vie d'un croyant né de nouveau.
Les esprits et les démons, d'ailleurs, sortent le soir dans les rues et les places de certaines grandes villes. Il y a des esprits de mammon, il y a des esprits de lucre, il y a des esprits d'infidélité, il y a des esprits de perversion sexuelle et il y a de l'idolâtrie. Alors, à cause du péché et de ses conséquences, Dieu a dû changer les choses. Mais comme Dieu est Dieu, il va donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'adapter. Je vais m'adapter à toi. Il va s'adapter à la volonté de son peuple et il va organiser des villes pour le bien-être de son peuple en y établissant des règles. C'est pour ça qu'il y a justement des règles et des lois. Mais parce qu'au départ, ce n'était pas prévu. Et puisque vous voulez, alors on va établir des lois. Mais alors vous devez faire comme je dis. C'est comme ça que Dieu il fait toujours. Il ne va pas fermer la porte. Non, il dit, puisque vous voulez un roi, on va le faire. Mais vous allez voir. Vous allez voir ce que c'est que de ne pas vouloir avoir moi comme roi. Et puis les villes vont être pareilles, quoi. Alors, il va se doter d'une ville à lui seul. Lui, à ce moment-là, l'Éternel, il va se doter d'une ville, la ville du grand roi. C'est la ville par excellence, Yerushalayim, et c'est en terre promise que les villes israéliennes vont commencer à se développer. Alors, c'est Dieu qui donne au peuple les tribunaux, si on parle de tribunaux dans les Shoftim. À partir du moment où la ville n'apparaît plus, à partir de ce moment-là, la ville n'apparaît plus comme le produit de la révolte contre Dieu. Vous avez vu, maintenant, on arrête de parler maintenant contre les villes, on sait très bien d'où ça vient, ok, maintenant, bon, allez, Dieu va faire avec, maintenant, ce n'est plus le produit de la révolte humaine, et sous le couvert de Dieu, la ville est plutôt un exemple type de la communauté humaine, des habitations qui se regroupent non loin d'un point d'eau, d'un pont, d'un croisement. Elles sont blotties pour se tenir chaud, pour se protéger de l'ennemi, du vent ou du soleil. Elles sont serrées les unes contre les autres dans une proximité de quelques mètres. Alors, à une époque de troubles et de guerre, la ville signifie aussi le repos. On se repose dans une ville. Ouf. Pour le peuple hébreu, après 40 ans de vie dans le désert, les villes représentent la fin de l'errance. Vous avez vu, le peuple dans le désert, ils avaient besoin d'une ville, quoi. L'enracinement dans un lieu où on peut vivre, on peut fonder une famille, on peut profiter de la vie. La ville offre également une protection contre les dangers extérieurs, brigands et invasions. Et c'est pour ça qu'une ville, maintenant, on va les entourer d'une muraille pour protéger le peuple. Alors, si à cause du péché, la ville est devenue nécessaire, alors avec les villes, les juges et les magistrats sont devenus indispensables. Si les hommes veulent des villes, ils doivent alors accepter des juges et des magistrats. L'un ne va pas sans l'autre. Ces portes, alors on parle des portes, puisqu'on parle d'une ville, forcément il y a une porte. Les portes que Dieu a données à Moïse, pour toi-même, aux tribus d'Israël, Bechol, She'arecha, Asher, Adonai Elohecha, Noten Lecha, Lishvatecha, dans toutes tes portes que l'Éternel ton Dieu te donnera pour tes tribus. Ce sont donc bien des portes et non des villes. On sait bien sûr que Dieu va donner des villes refuges aux Lévites, mais ce texte, dont le thème principal est le placement de juges et de commissaires, et l'Éternel va d'abord installer les portes avant les villes. Avant de faire des villes, Dieu va faire des portes. Alors, on a deux types de portes généralement, il y en a plusieurs, mais deux types de portes principalement. On a d'abord la porte d'Elet, et la porte Sha'ar. Alors, Sha'ar, ici, ce n'est pas la porte, le battant de votre maison, mais ici, c'est la porte de la ville. Là où on juge, là où il y a une autre porte qui est la porte des cieux. C'est la porte par excellence, Yeshua, par laquelle l'Esprit Saint peut rentrer dans ton cœur, mon frère, ma sœur. C'est aussi la porte qui empêche le diable d'y pénétrer, afin que le diable ne puisse pas rentrer dans ton âme, il te faut une porte. Ce n'est évidemment pas la même porte que celle du tribunal, donc la porte Sha'ar. La porte Sha'ar, ce n'est pas celle-là. Ta porte à toi, ça doit être la porte d'Elet. Elle n'est ni une porte qui juge, elle n'est ni une porte qui nous condamne. La porte d'Elet, c'est quoi? C'est un battant qu'on bat, on tape dessus. C'est quoi la porte? La porte du salut, tu tapes dessus pour rentrer, tu tapes, tu le... Et Yeshua a été battu, Yeshua a été frappé. Donc,
le battant, ce n'est pas pour rien qu'on dit le battant, et dans une porte, vous savez qu'on a le dormant et l'ouvrant, eh bien, je pourrais dire que c'est la partie qu'on bat, qui s'ouvre, mais il y a aussi la partie dormante, qui est l'ébrasement autour. Eh bien, ici, on parle de la feuille de porte, du battant de porte, de la barrière, l'ébrasement tout autour, vous enlevez le battant, mais vous avez toujours l'ébrasement tout autour, mais vous n'avez plus de porte, vous n'avez plus de battant. Eh bien, cette porte sert aussi de couvercle, de coffre, de mâchoire de crocodile et surtout de porte des cieux. On emploie ce mot-là pour les portes, la porte des cieux. Alors, toutes ces villes doivent se distinguer de la ville par excellence, la ville de Yerushalayim, la ville sainte, la ville du grand roi. Et c'est bien Dieu qui a encouragé Néhémie à rebâtir les murailles de Jérusalem. Quand Dieu est présent derrière les murs de la ville, les hommes peuvent vaquer en paix à leurs occupations. La ville est alors un lieu de rencontre, de relations entre les autres, de communication et d'échange. On y accueille les métiers aussi. Chacun vient au marché pour acheter et pour vendre. Elle est aussi un lieu où s'échangent des biens au profit de tous. Alors, la ville, c'est enfin une société organisée dans le cadre d'une même loi. La Bible atteste que dans le cadre d'un monde pécheur qui frôle sans cesse l'autodestruction, il ne faut pas vous faire un dessin, on est en pleine période d'autodestruction. La forêt d'Amazonie, elle est carrément en train de disparaître. Les abeilles disparaissent. Les animaux, il y a des animaux rares qui disparaissent. Alors la terre est en train de souffrir les douleurs de l'enfantement et elle attend la révélation des fils de Dieu. La Bible atteste que dans le cadre d'un monde pécheur qui frôle cette autodestruction, il est nécessaire que les humains soient soumis à des autorités chargées d'appliquer la loi commune. Romains 13, 1 à 7. C'est ce qui permet la coexistence pacifique d'hommes et de femmes rassemblés par des intérêts communs. Chacun contribuant à sa façon au bien de tous par une division du travail et une complémentarité d'activités variées. Alors, une petite précision, une petite rectification. Il faut préciser quand même que dans le texte, il est écrit « Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » En réalité, il n'est pas écrit ici des villes Harim. Harim, c'est Ir. Ir, la ville. Harim, c'est le pluriel. Comme on l'a vu plus haut, la ville est donc bien un nom masculin qui se dit Ir, Ayin, Yod, Resh, ou bien Ayin, Resh, ou bien Ayin, Yod, Resh, Ayar, suivant les voyelles. C'est un lieu gardé par un veilleur, dans le sens le plus large, même un campement ou un poste, comme la cité de David, etc. La ville est un symbole d'agitation, d'angoisse et de terreur. Ce mot vient de Our, comme on l'a vu. Et visiblement, la ville ne permet pas beaucoup de se reposer. C'est un rappel de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on avait la porte d'Elet, et maintenant, on a la porte Shahar, qui est plutôt la porte du tribunal. Ici, le texte n'utilise pas le mot ville, mais plutôt porte. Porte. Bekol Shearecha. Dans toutes tes portes. Bekol. Bechol, Bechol, Shearecha, dans toutes tes portes. Il est donc question ici non de l'ensemble de la ville, mais plutôt des portes pour y entrer. Ah, là, on a déjà une autre idée qui vient. Shahar, c'est la porte d'entrée d'une ville, c'est la porte d'entrée du cœur de l'homme, c'est la porte d'entrée, c'est l'espace entre les portes aussi, c'est le marché, c'est le lieu de rencontre du public. L'endroit, la porte du château, la porte du temple, la porte des cieux, ou encore la porte de l'enfer. Ce mot, dans son sens originel, vient de Shahar, qui parle de penser, de raisonner, de calculer, de compter. Alors, les portails des villes, c'était des lieux où étaient préservées les valeurs financières de la ville aussi. Très tôt déjà, les portes des villes étaient devenues des lieux où se jugeaient les choses, des endroits qui attribuaient le pouvoir absolu à leurs propriétaires à cause de leur richesse. La puissance a toujours été de tout temps liée à l'argent, à la fortune de la ville, et celui qui possédait la porte de la ville, quand on dit posséder la porte de la ville, c'était posséder l'or, l'argent qui s'y trouvait, qui détenait le pouvoir absolu.
Voilà donc le sens de posséder la ville, posséder la porte, c'est de posséder tout le pouvoir, tout l'argent, tous les dons, toutes ces choses-là, et vous devez posséder la porte de vos ennemis, vous devez posséder la porte des esprits méchants qui tourmentent dans votre vie, vous devez les posséder dans le nom de Yeshua. Et ici, donc, comment? Eh bien, Dieu vous le donne. Dieu vous donne ce pouvoir. Dieu donne à Israël le pouvoir législatif, financier. Dieu donne au peuple de Dieu, Israël, vous savez très bien, quand je dis Dieu donne à Israël, c'est que Dieu nous donne à nous, puisque nous sommes Israël de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes greffés sur l'olivier franc, donc nous sommes Israël de Dieu, donc nous sommes toujours, lorsque Dieu dit à Israël quelque chose, c'est à nous qu'il le dit, par Yeshua notre Messie, par le sang de Yeshua, eh bien Dieu donne à Israël le pouvoir législatif et financier. Très tôt déjà, Dieu avait fait cette promesse à Abraham. Il établit déjà d'avance le pouvoir d'Israël sur les nations, un pouvoir financier, législatif et judiciaire. D'ailleurs, Genèse 22, 17 nous dit « Ta postérité possédera la porte de ses ennemis ». Il n'y a pas plus clair, il n'y a pas plus clair. Ta postérité possédera les finances, le jugement, le juridique, tout, tout. La porte est donc considérée dans Deutéronome comme un portail, un endroit où se réunit le tribunal de la ville. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, par le sang de Yeshua, vous avez, chers frères et sœurs, Christophe, Christine, Monia, Marie, chacun de vous, Bernard, bonjour Bernard, chacun de vous, vous êtes en train de nous suivre, tous ceux qui nous suivront par après, puisque c'est enregistré, eh bien, chacun, voilà. Lorsque nous donnons notre vie à Dieu par le sang de Yeshua, nous devenons les esclaves de l'Éternel, les esclaves de Dieu, nous sommes ses serviteurs. Alors notre oreille, symbole du discernement, c'est avec votre oreille, c'est un symbole l'oreille, c'est le sang, vous entendez la voix de Dieu, c'est le discernement des esprits, vous discernez la voix du Saint-Esprit. Elle est poinçonnée, où? Sur le portail de la ville du grand roi, sur le portail de la ville de Yerushalayim. C'est spirituel, mais réjouissez-vous, votre oreille, elle est poinçonnée sur l'oreille, sur la porte de la ville de Yerushalayim. Lorsqu'un esclave ne voulait pas recevoir sa liberté et qu'on devait lui poinçonner l'oreille sur la porte, en réalité, cela se faisait sur le portail. Exode 21.6. Alors son maître le conduira devant Dieu, parce que l'esclave voulait rester avec son maître, c'est pour ça. Alors son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. C'est définitif, on ne sait plus changer. Vous appartenez à Yeshua, vous ne savez plus revenir en arrière. C'est impossible, c'est pas possible. N'essayez même pas, ça marche même pas. Vous voudriez essayer, ça marche pas. Le diable, il voudrait essayer, ça marche pas. Yeshua, il vous a mis un sceau, un poinçon, vous lui appartenez. Et qu'est-ce qu'il fait, Yeshua? Quand vous voulez l'abandonner, ben, il vient vous rechercher et vous donne une bastonnade. Qu'est-ce que tu as fait? Je te donne une claque, une correction. Tu vas venir ici, tu m'appartiens, je suis ton maître. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es mon esclave, hein? Tu m'obéis, c'est tout, tu n'as rien à dire. Évidemment, ça dans le sens où tu étais méchant avec Dieu, et bien à ce moment-là, le Seigneur il dit, je t'ai poinçonné sur la porte de ma ville à moi, tu m'appartiens. Donc essayez toujours de vous défaire de Dieu, vous ne saurez pas. Dès ce moment-là, nous sommes marqués à vie et même pour l'éternité. Nous appartenons à Yeshua, c'est une circoncision de notre cœur. L'oreille, on dit circoncision, l'oreille c'est le poinçon, comme disait notre pasteur Lorenzo, le poinçon, la circoncision de notre oreille, circoncisant notre oreille. Il n'a pas tort du tout de dire ça, parce qu'on parle vraiment d'un poinçon. Et c'est une bonne chose, car Dieu sait que certains d'entre nous, on est vite découragés par l'éternel, par l'ennemi, et on voudrait rebrousser chemin, on voudrait dire, mais j'en ai marre de la vie, toujours par la foi. Et encore un musicien dernièrement dans le groupe Hillsong qui vient de déclarer à grand fracas,
qu'il vient d'abandonner le Seigneur, qu'il vient de... Voilà, c'est un chanteur très connu qui, quand il chante, il y a 50 000 jeunes qui l'écoutent et qui chantent avec lui. Et voilà que maintenant, ce chanteur a abandonné le Seigneur et il le déclare. Maintenant, il remet en question ça. Bon, tant mieux. Mais en tout cas, ce poinçon, c'est notre salut. Un poinçon, c'est une circoncision. Ça fait mal. Eh bien, une circoncision du cœur, ça fait mal. Eh bien, c'est notre salut. On souffre, mais c'est notre salut. Alors, une justice de proximité et une justice messianique. Moïse ajoute que c'est au sein de chaque tribu que Dieu va établir des juges et des commissaires qui connaissent parfaitement le peuple. C'est la justice de proximité. Ve shaftu et aham mishpat tzedek. Et ils jugeront le peuple un jugement de justice. Le verbe ve shaftu, c'est un futur, petit peu de grammaire là, un futur avec un vav conversif. Ça annonce une justice éternelle, et pas seulement pour l'époque de Moïse. Cela signifie que ces juges et ces commissaires concernent aussi ceux qui dirigeront les villes dans la période des 1000 ans de règne à partir de Jérusalem, puisqu'on parle de villes qu'ils régneront. Alors, le droit et la justice parmi les enfants de Dieu, en termes de justice et de droit, il est évident que l'amour du prochain, c'est la base même de l'identité des enfants de Dieu. Cet amour du prochain tient compte de l'équilibre. Il n'est pas question d'avoir des préférences par intérêt ou par apparence. Mais toi, tu me plais parce que toi, tu penses comme moi, mon frère. Alors, on va travailler ensemble. Voilà. C'est pas du tout comme ça que ça marche. L'amour du prochain, ça tient compte d'un équilibre. Il n'y a pas de préférence. Les cadeaux entre enfants de Dieu ne sont pas permis. Les cadeaux entre enfants de Dieu ne sont pas permis. Même des cadeaux de langue. Les cadeaux de langue, toi, qu'est-ce que tu prêches bien, toi, mais qu'est-ce que tu as bien prêché ce Shabbat. Ah oui, je sais, le diable me l'a dit aussi, vous savez bien cette phrase. Eh bien, ces cadeaux-là, les cadeaux de la langue ne sont pas permis. Alors, verset 19, tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel et tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. Alors, ce verset 21, parenthèse, c'est juste une parenthèse, c'est un verset qui est repris pour dénoncer la croix, pour dénoncer la croix de Yeshua. On dit la croix de Jésus, c'est une abomination, tout simplement parce qu'on ne peut pas fixer une idole de bois, une statue de bois, une idole de bois, c'est un bois, voilà, c'est un bois, à côté de l'autel que tu élèveras l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'Éternel, mais c'est le verset 21 qui dénonce dans le rabbinat, on va dire, la croix, la crucifixion, en disant que ce n'est pas biblique, c'est d'ailleurs interdit par le verset 21. Voilà. Alors, Deutéronome 17, verset 1, Moïse est en train de craindre qu'après son départ, le peuple ne tombe dans l'idolâtrie. Tu n'offriras en un sacrifice... Bon, je vais passer parce qu'on a quand même... je suis même pas à la moitié. Alors, quand un tribunal est incompétent, le texte qui suit apporte des éclaircissements sur les cas où des tribunaux, des juges, sont incompétents pour juger une affaire. Ça arrive, ils ne sont pas compétents. Ils ne savent pas quoi faire. Dans ce cas, c'est Dieu lui-même qui va désigner des personnes compétentes. Dieu indiquera alors un lieu, probablement le tabernacle du temple, là où il y aura des sacrificateurs. Ce sera dans le temple lui-même que l'on pourra interroger Dieu au travers du sacrificateur qui est en fonction en ce moment-là. C'est ce cas de figure qui est précisément celui qui s'est déroulé il y a 2000 ans, où il a fallu juger Yeshua pour blasphème. Donc, quand on a un problème, on interroge le Saint-Esprit, et c'est dans le temple, le sacrificateur, nous sommes tous des sacrificateurs, il n'y a pas une personne qui est le souverain sacrificateur, puisque c'est Yeshua, c'est le souverain
sacrificateur Yeshua qui est dans chacun de nous, et c'est chacun de nous qu'on reçoit du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi la Bible dit que quand on a un problème, eh bien, les prophètes sont soumis aux prophètes. Hein, les prophètes sont soumis aux prophètes. Il n'y a pas un prophète qui est meilleur que des autres. Quand on a une prophétie, et les prophéties, il y en a plein depuis des années que l'Église existe, il y a des prophéties à tout bout de champ, et il y a des prophéties qui sont de Dieu, il y a des prophéties qui ne le sont peut-être pas. Ce n'est pas à moi à juger, ce n'est pas à moi à dire c'est encore un Shabbat, je ne suis pas d'accord. Nous n'avons pas à juger. Quand nous jugeons, nous tombons sous un jugement. Tu juges, tu seras jugé. Donc ne jugeons pas, laissons faire l'ivraie et soyons le blé. Eh bien, lorsqu'il y a un problème de prophétie, ben, tout simplement, le prophète est soumis au prophète au pluriel. Au pluriel, c'est-à-dire que dans une assemblée, il doit y avoir plusieurs prophètes qui vont débattre, qui vont discuter entre eux sous l'autorité de Dieu. Voilà, Dieu est en train de révéler au groupe, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En tout cas, c'est ça, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et donc, la prophétie dans l'Église, elle doit exister, elle est biblique. Et on attend qu'il y en ait plus que ça. On espère qu'il y en ait plus que ça. Alors, un roi proche de Dieu et avec des entrailles de miséricorde. Ce commandement, donc ça c'est le verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu posséderas et que tu auras établi ta demeure et que tu diras je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur lui un roi que choisira l'Éternel ton Dieu, tu mettras un roi du milieu de tes frères. Bon, ouais, mais du milieu de tes frères, ça veut rien dire, hein, frère. Non, peut-être. Du milieu de tes frères, c'est mi-keref. Ça veut dire du milieu des entrailles. Du milieu des entrailles. Le roi que le peuple devra choisir. Donc, c'est un commandement qui va servir plus tard pour l'intronisation du roi Saül. Il est clair que le choix d'un roi dans le pays a donc été prévu par l'Éternel. Ça a été prévu. Quelque chose se passera lors du choix de Saül, puisque Dieu sera mécontent à ce moment-là. Et la question est de savoir pourquoi, justement, Dieu n'était pas content. Eh bien, c'est la réponse. Le roi que le peuple devra choisir devra sortir du milieu du peuple. L'expression laisse sous-entendre que ce roi devra avoir des entrailles de miséricorde. Le mot « kerev » n'est pas donné de manière anodine. Ce n'est pas donné par hasard. En effet, il n'y a aucun hasard, et des petits mots comme ça, mikeref, ça veut dire, ça sort de quelque part, eh bien, il s'agit d'un nom masculin qui indique comment s'approcher de Dieu. Vous savez que mikeref, c'est des entrailles, mais ça veut aussi dire karov, ça veut dire s'approcher, la proximité avec Dieu. Entrailles, c'est tout proche, c'est là, tout près, c'est dedans, c'est, eh bien, ça veut dire aussi s'approcher de Dieu, eh bien. Le roi devra être proche de Dieu, il devra avoir une relation avec Dieu. Kerev, au milieu, bien sûr, entraille, dans le ventre. Tu dois avoir Dieu dans ton ventre, mon frère, ma sœur. Tu dois avoir l'Éternel dans tes entrailles. Ça doit te bouillonner à l'intérieur de tes entrailles. Et je me parle à moi-même, mon frère, ma sœur. Bien sûr, je me parle à moi-même. Il s'agit de la partie intérieure, le sens physique, le siège des pensées et des émotions et la faculté de penser et d'émotion. Il s'agit d'être au milieu d'un groupe de personnes. Il s'agit d'un roi qui est agréé par Dieu comme doivent l'être les entrailles des animaux du sacrifice. Vous saviez que on devait sacrifier les entrailles des animaux. C'est pas pour rien que c'est les entrailles des animaux qu'il fallait sacrifier, parce que justement, il faut sacrifier l'image de ce qui est le meilleur pour toi. Le meilleur dans ta vie, c'est ce qui est le meilleur. Qu'est-ce qui est le meilleur ? C'est tes entrailles, c'est les poumons, c'est la chair. La chair, c'est quoi la chair? Bassar, Bessora. Ben, la chair est assimilée à l'évangile. Bessora Tova, c'est la chair, c'est l'évangile. Bessora Tova, la bonne nouvelle, c'est le même mot qui est utilisé pour notre chair. Et notre chair, c'est ce qui est, c'est l'image de notre embonpoint spirituel. Eh bien, c'est vraiment très important.
Eh bien, vous voyez tout ce qu'on rencontre au milieu de mes frères. Est-ce que vous avez vu ça dans votre Bible en français? Excusez-moi du peu, mais je vous invite à apprendre vraiment l'hébreu. Hein. Alors, ensuite, tout ce que Dieu n'ordonne pas est profane et donc inutile. Bon, maintenant, on ne va pas non plus... ma télé qui est là-bas, je ne vais pas la balancer à la poubelle parce qu'elle n'est pas sainte. Le roi ne pourra pas faire tomber le peuple, le faire retourner dans l'Égypte du péché. Cela semble étonnant de devoir dire une telle évidence, mais si Dieu donne un commandement, c'est toujours à cause du péché qui va faire tomber le peuple. On se rend compte que tous les commandements que Dieu a écrits, donc les choukim, c'est parce que Dieu connaît l'avenir et il sait dans quoi va tomber le peuple. Ce commandement de Deutéronome 17, 14 à 20 est donc donné par Dieu à cause précisément de ce que ce roi Saül va faire tomber le peuple. Lisons en français. « Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin. » Écoutez, c'est incroyable. Vous lisez ça en français, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien compris. Moi, je relis en français 10 fois de suite, je ne comprendrai toujours pas. « Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, mais l'Éternel vous a dit, vous ne retournez pas un peu par ce chemin. » Et qu'est-ce que je vois ?« Rak lo yarbe lo susim, seulement à ne pas, il rendra nombreux pour lui des chevaux. « Ve lo yashiv et aham, et il fera, et ne pas, il fera revenir le peuple, Mitzraïma, en Égypte, le ma'anarbot, afin de rendre nombreux Sous, les chevaux, va Adonai et l'Éternel, Amar Lachem, a dit à vous, Lachem, à vous, ne pas recommencerez, l'otosifoun, ne pas recommencerez à revenir dans le chemin, celui-ci encore. Donc, la chouf baderech azeod. Alors, il y a beaucoup à dire ici, vraiment, c'est un enseignement extraordinaire. D'abord, posséder un grand nombre de chevaux, je pense que là, on est plus ou moins tous au clair que les chevaux, ça représente l'orgueil, la puissance, etc. Mais Dieu n'est jamais contre le fait d'utiliser des chevaux pour se déplacer. Alors, pourquoi en parler? Posséder un grand nombre de chevaux, bon, au départ, ça ne sert à rien en Israël. Ça ne sert à rien pour vivre en Israël. D'abord, c'est un pays qui n'est pas si grand que ça. Pour prendre possession de la terre promise, d'abord, les chevaux, ça sert à prendre possession d'un pays. Mais pour posséder la terre promise, le pays est petit. Et puis là, on se déplace avec des ânes, souvent. Les ânes suffisent pour le transport des marchandises et des hommes. Dieu n'a pas prévu ça pour le peuple quand il a décidé de le libérer du joug égyptien. Posséder un grand nombre de chevaux signifie d'avoir dans l'idée d'aller conquérir ailleurs d'autres terres. Cela signifie faire autre chose que ce que Dieu a prévu pour le peuple. Dieu te dit quelque chose et tu fais autre chose. Dieu ne t'a jamais demandé de faire ceci ou cela, mais fais ce que Dieu te demande. Ne fais pas ce que Dieu ne t'a pas demandé. Mais qu'est-ce que tu vas faire là ou là ou là? N'a pas besoin de tout ça. Dieu t'a donné une mission, fais-le. Pourquoi tu vas à gauche, à droite? On parle souvent de notre assemblée, voilà... ne va pas à gauche, à droite, reviens à la source, reviens à la racine. C'est aussi un petit peu le sens. Dieu n'a pas prévu ça pour le peuple quand il a décidé de libérer. Posséder un grand nombre de chevaux signifie d'avoir l'idée d'aller conquérir. Le pays d'Israël est petit et la marche fait partie du salut. La marche fait partie du salut. Le cheval fait partie des gens qui ne se déplacent plus. J'en prends un grade, hein, je vous le dis, hein. Parce que moi, je suis vite dans ma voiture pour me déplacer, je suis un petit peu paresseux, je commence à prendre un peu de là, je suis fatigué, je n'ai pas envie de marcher, je prends ma voiture. Eh bien, ici, non, il faut marcher, ça fait partie du salut. Aux yeux des nations, Israël a souvent sur son front l'étiquette de colon ou d'envahisseur, mais c'est complètement faux, bibliquement, puisque pour faire ça, il faut des chevaux et des chars. Et ces choses ont toujours été absentes du peuple d'Israël. T'as pas à avoir des chevaux. Dieu te le dit clair et net. Ensuite, marcher et non galoper. Il y a une raison pourquoi Dieu préfère la marche aux chevaux. Il marche lui-même avec nous sur le chemin.
Il ne galope pas avec nous sur le chemin, il marche pas après pas. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dieu n'a jamais dit, si tu montes à cheval, je serai à tes côtés sur mon cheval blanc. Dieu n'a jamais dit ça. Au contraire, Lévitique 26, 12 nous dit quoi ? Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je marcherai. Ou bien Exode 33, 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. C'est Dieu qui marche, il n'a jamais dit je galoperai ou je serai en Ferrari. Non. Il faut préciser que c'est seulement après avoir marché avec nous qu'il nous donnera du repos. La marche fait partie de la vie des enfants de Dieu. Excusez-moi de parler vite parce que je vois qu'il est 1h40, ça fait déjà 1h42 et je ne suis pas encore au bout de mes peines ici avec cette paracha. Il y a beaucoup à dire, vraiment, c'est une paracha très riche. La marche fait partie de la vie des enfants de Dieu. La marche, c'est d'être sur un chemin. Vous êtes sur un chemin. Si vous êtes à cheval, vous n'êtes plus sur un chemin, vous êtes sur un cheval. Ce n'est pas du tout le pareil. Si vous marchez, vous êtes sur le chemin. Et le chemin, c'est Yeshua. Vous devez marcher. Le chemin, la vérité, la vie, la marche, c'est de suivre notre Rédempteur, notre Sauveur sur le chemin. Dans un troupeau de brebis, le berger, il est devant. Il n'est pas sur un cheval ou sur un âne, il est à pied. Et c'est comme ça que les brebis peuvent le suivre. Vous rendez compte l'enseignement prophétique extraordinaire que l'on retrouve dans la Torah ici. Eux, les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont traversé la mer Rouge à cheval ? Non ! À pied, ils sont arrivés vivants de l'autre côté. Les Égyptiens, eux, ils ont pris leur cheval, ils ont pris leur char et ils sont arrivés comment ? Ils ont été noyés, ils sont tous morts avant d'arriver au bout. Donc vous voyez bien que le cheval, ce n'est pas votre salut. Hein. Alors, donc Exode 14, 29, Habakkuk 3, 19, vous voyez. Alors, retournez en Égypte. Il n'est pas interdit de se déplacer au monde. Alors, entendons-nous, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir les moyens de cheval, voiture, etc. Moi, je prends ma voiture si je me déplace, je devrais marcher, ok. Tout à l'heure, je suis rentré avec ma petite fille. Là, je l'ai ramenée chez ma fille. Elle n'a pas voulu aller en voiture. Elle a dit, non, on va aller à pied. On a été à pied. Et ben, j'étais un petit peu fatigué. Voilà, mais j'aurais pas dû. Non, j'ai bien fait. Voilà. Donc, heureusement qu'elle était là, ma petite fille. Super gentille, ma petite. Eh bien, elle m'a poussé à marcher. Et j'ai bien vu que ça, c'est comme par hasard le sujet de la paracha aussi, entre autres. Je me dis, mais cette paracha, c'est tellement vivant pour nous aujourd'hui que tu vis ce que tu lis. Tu vis quelque chose et tu le lis. Ben, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Alors, là, n'est pas interdit de se déplacer en utilisant d'autres moyens, mais cela équivaut, et il faut bien le savoir, à devenir riche et replet. Replet, bien lourd, là, bien obèse, là. À devenir replet et perdre son cœur humble. Ce n'est pas interdit d'être riche, au contraire. Moi, je ne suis pas contre, bien sûr, l'évangile de la prospérité, je ne vais pas le prêcher, mais Dieu nous a donné les moyens, nous n'avons pas à souffrir de nos finances jour et nuit et jour, année après année, ce n'est pas vrai. Je suis contre cet enseignement qui prêche la pauvreté, ce n'est pas vrai. Nous avons à avoir le bien et la paix dans nos ménages et dans notre portefeuille. Mais ici, ce qui est interdit selon Dieu, c'est de rechercher à retourner en Égypte avant même d'avoir touché la terre promise. Ils sont déjà en train d'arriver à la terre promise, ils veulent déjà retourner, certains. Donc le peuple n'est pas entré en terre promise, il n'a pas encore vécu avec Dieu et selon les règles de Dieu, et la possession des chevaux ne fait pas partie de ce que Dieu a prévu pour le peuple. Point à la ligne. On se souvient des deux fils de Aaron qui ont fait ce que Dieu n'avait pas expressément ordonné. Vous savez qu'ils sont morts, pas parce qu'ils ont apporté quelque chose qui n'était pas... C'était pas une abomination, une idolâtrie puissante. Non, ils ont fait ce qui n'a pas été demandé. Dieu t'a pas demandé de faire quelque chose et tu l'as fait. C'est Dieu. Non, c'est pas ça. Ils ont fait quelque chose que Dieu n'a pas ordonné. Si Dieu ordonne et que tu fais autre chose, c'est ça qu'ils ont payé le prix, au prix de leur vie. Offrir un feu étranger sur l'autel des parfums. Caïn et Abel ont vécu la même chose.
Dieu avait ordonné un sacrifice sanglant d'animal en préfiguration du sacrifice parfait de l'agneau immolé pour le pardon des péchés. Ça ne convenait pas à Caïn. Il dit, ben non, moi, je vais offrir le fruit de mes récoltes. Et en quoi est-ce que c'est mauvais d'offrir des fruits de récolte? Franchement, Caïn, il aurait pu se dire, ben attends, Seigneur, moi, un Dieu comme toi, si c'est comme ça, moi, j'en veux pas. Hein? Donc, il devait se dire ça, c'est pas possible. En tout cas, c'est le résultat de son travail et Dieu, pour Dieu, c'est refuser d'office, car ça signifie se sauver par ses propres œuvres et ce qui est évidemment rejeté par Dieu. Alors, faire autre chose pour être sauvé, c'est passible d'un jugement éternel. Vous ne suivez pas l'ordre que Dieu a donné, c'est-à-dire le Fils qu'il a envoyé pour ton salut. Tu ne crois pas que c'est lui qui a été envoyé pour ton salut. Tu mourras dans tes péchés. C'est ce que dit la Bible. Chercher un autre salut qu'en Yeshua le Messie, par une religion ou par toute autre méthode, amène à la condamnation. Chacun est averti, on n'oblige personne, mais on dit, voilà, la Bible, elle dit ceci, tu veux être sauvé, tu fais ce que je te dis. Tu veux pas être sauvé, ben, tu n'es pas obligé de suivre, hein? On n'oblige personne. Alors, quand bien même, bref, si après ça vous voulez quand même vraiment un grand nombre de chevaux, et que vous avez abandonné les œuvres des ténèbres égyptiennes, pour revenir vers le Dieu de lumière, prenez d'abord un temps d'épreuve pour fortifier votre cœur, apprendre l'humilité, apprendre à avoir le cœur brisé par la faim et la pauvreté, par les épreuves avant de vivre normalement. Ce n'est qu'après être habitué à vivre simplement et après avoir reçu de Dieu son accord, seulement alors après ça, oui, aller en Égypte. Ben oui, pourquoi pas. Mais si vous êtes passé par toutes ces étapes, oui. Mais selon la Bible, il y a des lieux dans lesquels on ne retourne plus après s'être converti. Si l'Égypte fait et l'Égypte fait partie de ces lieux maudits, vous n'avez plus à revenir là. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut arriver exceptionnellement que Dieu appelle spécifiquement un serviteur pour une œuvre précise, que Dieu renvoie son serviteur dans des lieux peu fréquentables pour attirer au salut ceux qui sont entraînés, enchaînés par des puissances des ténèbres, mais Dieu ne fera jamais cela avec son peuple fraîchement libéré du joug des pharaons et de son culte idolâtre. Vous connaissez peut-être un certain frère qui s'appelle Christian Pellon, je crois que c'est Christian Pellon. On n'entend plus parler de lui, tiens. Christian Pellon, je sais pas si lui encore, je suppose. Eh bien, c'est un homme qui a reçu de Dieu un jour, je pense que c'est lui, ouais, il a reçu de Dieu d'aller à un festival de... un genre de festival dans un grand hall omnisport, un festival sur les sciences parallèles, les sciences occultes, sur l'idolâtrie, sur l'astrologie et sur toutes ces choses occultes. Voilà, il a reçu de Dieu une assurance absolue qu'il devait aller là. On se demande bien pourquoi faire. Est-ce que vous croyez, vous, par vos propres forces, que vous allez changer quelque chose, vous allez commencer à donner des traités aux gens, vous rentrez dans le monde des ténèbres, vous rentrez dans la puissance des ténèbres, et vous croyez que vous allez leur parler. Quoi qu'il en soit, ce frère avait reçu de Dieu d'y aller, et de se poster là. Alors il a jeûné 3 jours, et 3 nuits avant, évidemment, hein, on ne va pas comme ça. Il a été là, il s'est mis au milieu, et tout de suite, là, il a commencé à crier à haute voix, « Jésus !» Voilà, il a dit le nom de Jésus. Un chrétien, c'est pas Yeshua, c'est Jésus. Il a crié le nom de Jésus. Et puis, il a fait ses paquets et il est sorti. Tout simplement, il n'a rien fait d'autre. Il est rentré en plein milieu de cet immense hall omnisport où il y avait des tas d'activités. Il a crié « Jésus !» Et puis, il est sorti. Et il ne s'est pas préoccupé de la suite, mais par après, on l'a appris que les activités ont toutes foiré. C'était un fiasco commercial le plus total, et ils ont arrêté, je ne sais pas si la suite, il me semble, ils ont arrêté ce genre d'activité parce que ça ne portait plus financièrement, ce n'était pas possible, etc. Voilà, donc vous voyez un petit peu. Mais ça, c'est exceptionnel. Vous n'allez pas aller dans un antre du démon, comme ça, pour combattre l'ennemi. Il faut vraiment avoir reçu un appel.
Voilà, c'était une petite image un petit peu de ça. Alors, pourquoi revenir justement dans l'Égypte, c'est ça en fait. Alors, les conséquences de la richesse, la suite du texte confirme ce que Dieu redoute, verset 17, qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Salomon aura de grands nombres de femmes, d'argent et d'or, et comment il a terminé sa vie? Très mal. Il a terminé très mal sa vie, malgré qu'il ait bien commencé. Voilà. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, et pourtant, il connaissait ce passage. Hein? Ce n'est pas un passage qui vient après Salomon. Ça vient avant Salomon. C'est encore Deutéronome. Hein? Salomon, il vient beaucoup plus tard. Donc, il connaissait la Torah. Et qu'est-ce qu'il a décidé? Moi, je suis le roi des rois. On disait, Salomon, c'est le roi des rois. Le roi le tout-puissant, donc l'image d'ailleurs du roi des rois, du spirituel, pour ça qu'on acceptait de dire le roi des rois, mais lui, voilà, il est tombé. Et pourquoi est-ce qu'il est tombé? C'est parce que Dieu a permis qu'un homme qui était élevé à une telle grandeur ne soit jamais assimilé au Dieu puissant. Il faut qu'un homme comme ça, je veux dire prophétiquement parlant, typologiquement, il ne pouvait pas représenter. À un moment donné, tôt ou tard, même s'il a une représentation du Fils de Dieu, du Messie, tout ce que vous voulez, à un moment donné, il fallait qu'il soit arrêté, parce que c'est un homme, après tout. Et la première des choses à faire pour le souverain, c'est de se faire une copie de la parole de Dieu, ici, à une époque où les imprimantes et les imprimeurs n'existaient pas. La toute première chose à faire pour gouverner un pays en tant que roi, c'est de connaître la parole de Dieu. Il n'y a pas de compromis sur cette question. D'où doit-il sortir cette Torah? Des souverains sacrificateurs. Un seul souverain sacrificateur nous donne son pain de vie. La Torah, c'est Yeshua. C'est chez lui qu'il faut aller. Et il ne faut pas aller ailleurs pour recevoir son pain de vie tous les matins. Il ne faut pas chercher ailleurs. C'est Yeshua qui vous donne le pain de vie. C'est une question que je me pose. Quelle question? Pourriez-vous me faire une étude sur le mariage? Et quel jour peut-on le faire? Une étude sur le mariage. D'accord. On va relire un petit peu toutes les questions qui sont posées. Je crois que Sentinelle se charge de ça aussi, de répertorier le nombre de questions. Je crois que Sentinelle, avec Bernard et certains frères ou sœurs, je ne sais pas. Sentinelle, il faudra peut-être me confirmer ça. Mais en tout cas, il paraît que donc il y a un travail qui va se faire de répertorier dans toutes vos questions de diffusion en direct ici, toutes ces questions, de répertorier les questions principales, parce qu'il y a beaucoup de questions évidemment. Donc, ça, c'est un travail colossal. Merci Seigneur. Alors, donc. Il n'y a pas de compromis, il faut que le roi, le souverain, il connaisse la parole de Dieu. Il faut que chaque matin, nous puissions avoir cette parole. Et on essaye d'avoir ça chaque matin avec notre réseau Beth Yeshua, notre réseau Viber. Il y a d'autres réseaux sur Messenger, par Internet. Il n'y a pas d'autres réseaux autrement que par Internet. Par exemple, par téléphone, il n'y a pas ça. J'ai bien deux, trois personnes qui n'ont pas Internet, je leur envoie de temps en temps un message par texto. Ça fait beaucoup de papier, beaucoup de textes. Mais bon, le texto, ce n'est pas payant. Donc aujourd'hui, c'est gratuit, donc on peut y aller. Donc il faut profiter aussi des textos pour envoyer à ceux qui n'ont pas Internet. Et il y a quand même des gens qui n'ont pas Internet et pouvons fortifier leur âme ou peut-être même les évangéliser, pourquoi pas. Deutéronome 18.1, l'interdiction des pratiques occultes, ça c'est le passage sur le Deutéronome 18 sur l'occultisme, les pratiques abominables, comme nous en avons déjà en parlé en nombreux, toutes celles qui provoquent le dégoût, de la racine de ces horreurs, on trouve dans la Bible autant de cas cités qu'il y a de lettres dans l'alphabet, 22 occurrences, voilà, 22 occurrences. Ta'ave, Taf, Aïn, Vet. Avoir en abomination, avoir en horreur, abhorrer, détester, et faire de façon abominable. Alors, quelques exemples. Hein. Évidemment, il y a tellement à dire là-dessus. C'est une étude à part, ça. Évidemment, ça tombe dans la paracha. Alors, forcément, des interdits dans la maison. Des choses dévouées par interdit sont par exemple des objets de spiritisme, de radiesthésie,
des pendules, des tarots, des cartes, des objets de culte musulmans, des objets de culte bouddhistes, chinois ou encore Nouvel Âge, que l'on ne veut pas se défaire. Ces objets sont dévoués par interdit et ils doivent être dévoués par interdit. Des peintures islamiques, j'ai eu un témoignage, j'ai vécu ça moi-même personnellement dans une maison, une peinture islamique en cercle qui cache généralement une sorcellerie ou quelque chose d'occulte. Les pratiques animistes aussi, les poupées vaudou qui accordent l'importance aux objets et les considèrent comme des divinités. C'est indispensable de détruire ces objets par le feu et non de les jeter à la poubelle ou de les revendre pour en tirer un bénéfice ou même de les donner à quelqu'un d'autre. Il faut détruire. Deutéronome 7, 26, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Il ne faut pas que tu sois dévoué toi-même par interdit si tu rentres là-dedans. Ne pas considérer les êtres humains comme abominables non plus. Les êtres humains ne sont pas dévoués par interdit. Ce sont des êtres humains que Dieu a créés. Deutéronome 23, 7, ne dévouez pas par interdit des personnes. Ne dévouez pas par interdit des personnes. Deutéronome 23, 7, tu dis, tu n'auras point en abomination, Ta'av, l'édomite. Attends, l'édomite, c'est pas n'importe quoi. Le pire des pécheurs, c'est l'édomite. Car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination, Ta'av, donc de nouveau, l'égyptien, c'est plus ton frère, car tu as été étranger dans son pays. Vous voyez que Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Il n'y a pas à les considérer comme à dévouer par interdit. L'idolâtrie est abominable. Ce ne sont pas les hommes qui sont abominables, ce sont leurs actes idolâtres qui sont abominables. Ne nous trompons pas de combat. Faire le dénombrement, c'est aussi une abomination. Des vêtements non sanctifiés, les vêtements du salut ont été lavés. Si on salit ces vêtements, on salit le sang qui les a lavés. Job 9, 31. Tu me plongerais dans la fange et mes vêtements m'auraient en horreur. L'homme qui se nourrit de l'iniquité aussi. Alors, Yeshua est devenu une abomination aux yeux des Juifs. Pourquoi Yeshua est-il sorti du Père? Yeshua est le Fils de Dieu vivant. Il est éternel, il n'est jamais né. Il n'est jamais né, il a toujours existé, il était à l'intérieur du Père. Il a même dit, Jean 16, 28, « Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde, je vais au Père. » Voilà, donc c'est pour ça que je suis sorti, Marc 1, 38. « Afin de libérer le monde du péché, de la malédiction, du pouvoir, de l'abomination sur les hommes, Yeshua, le Fils, est sorti du Père. Il a pris nos iniquités, il est devenu pour nous malédiction. Jean, on parle d'ailleurs, même, il y a des choses qui n'ont jamais changé. Jean 9, 22, si on reconnaît Jésus pour le Christ, on est exclu de la synagogue. Vous le lisez dans Jean 9, 22, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Si vous êtes dans une synagogue et vous déclarez, moi je crois en Jésus, ben, vous êtes exclu de la synagogue. C'est clair, net et précis. L'abomination chez les Juifs, autant que chez les gentils, l'abomination Toeva, dont la racine c'est Ta'av, s'écrit de deux manières différentes, avec une lettre Vav ou une lettre sans Vav. On voit que c'est cette lettre Vav qui donne le clou. La présence visible de la lettre ou son remplacement par un simple point signifie que le risque de tomber dans l'abomination, c'est autant pour les Juifs que pour les non-Juifs. On en reparlera. Interdiction de s'instruire. Alors ça, écoutez... oui, mais on doit connaître les puissances de l'ennemi. On doit les connaître, on doit l'apprendre. Ah bon? Qui t'a dit que tu devais apprendre ces choses-là? Lis verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Donc, on parle ici d'un apprendre. Apprendre. Il n'est pas écrit... C'est le point que l'on ne remarque pas dans ce texte qui est fondamental dans les pratiques occultes, c'est que nous n'avons pas l'autorisation de nous instruire sur les pratiques occultes. Cela veut dire ne pas apprendre à les pratiquer, cela sous-entend aussi ne pas s'y intéresser, ne pas s'en instruire. Il y en a, c'est leur plus grand dada, au lieu de se former, de connaître, d'apprendre à connaître qui est Yeshua, qu'est-ce qu'ils font. Ils passent le plus clair de leur temps, oui, sur les pratiques occultes,
sur l'homéopathie, l'astrologie, et dans le moindre détail, ils connaissent tout, ils connaissent tout de tout ce qui est pratiques occultes, spiritisme. Oui, parce qu'il faut connaître l'ennemi, il faut les connaître, ouais, mais il faut connaître ça. Ah ouais, ah bon, tiens donc. Beaucoup de croyants croient souvent devoir s'informer sur les démons, sur leurs agissements, sur toutes les pratiques ancestrales, s'instruire sur tout ce qui existe dans le domaine du royaume des ténèbres, des pratiques à découvrir le long en large, alors que Dieu nous l'interdit avant même de commencer à les détailler. Lorsque Dieu nous dit « tu n'en prendras point à imiter », écoutez bien, regardez l'hébreu ce qu'il dit. « Tu n'apprendras point à imiter », c'est l'ilmod, apprendre. « Tu ne t'instruiras pas, tu ne dresseras pas une liste de ces choses ». Dieu a dit, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là, tu n'apprendras pas, tu ne pas t'instruire sur la question. Dieu n'a pas dit, à droite, tu n'imiteras pas les abominations de ces nations-là. Dieu n'a pas dit de former les chrétiens sur les pratiques occultes. Jamais Dieu a dit aux chrétiens, aux pasteurs, aux enseignants, qu'on va faire des cours sur l'occultisme. Le sujet de l'occultisme, c'est d'ailleurs un révélateur de l'état de ton cœur. Vous comprendrez ici quel est l'état de votre propre cœur. Comment allez-vous réagir à cette question? Dites-moi maintenant, là, comment vous réagissez à ce que je viens de dire? Est-ce que vous voulez vous y intéresser et rentrer dans les moindres détails, dans les abîmes les plus convoités du cœur orgueilleux des hommes, ou au contraire, voulez-vous vous en écarter comme de la peste? Et vous rapprocher du cœur de Dieu. Alors l'occultisme, de quoi s'agit-il justement? L'ensemble de toutes ces pratiques ont un seul et unique but, faire en sorte que vous vous désobéissiez à Dieu et que vous vous condamniez vous-même. Satan veut faire tomber les élus, même s'il était possible. Il ne peut rien faire contre les enfants de Dieu nés de nouveau. La seule possibilité qui lui est offerte avec le péché dans le monde, c'est de rentrer par des portes que nous-mêmes nous lui ouvrons. Et ces portes, c'est nos oreilles, nos yeux, nos bouches, nos mains. La divination, c'est deviner, c'est-à-dire inventer des choses, voilà, inventer des causes de maladie, inventer des paroles de Dieu que Dieu n'a jamais dites. L'astrologie, c'est trouver dans les astres des réponses. Avec les astrologues, donnent chaque jour, chaque semaine, pour chaque jour, l'horoscope. L'avenir au jour près de la vie des hommes par catégorie de constellations. Quand vous écoutez, vous lisez un horoscope, juste pour vous amuser, en forme de moquerie, il y a une chaîne diabolique qui se met autour de vous, vous n'osez plus ne plus y croire, vous êtes lié. Il faut savoir que l'image des 12 constellations zodiacales qui parvient à notre rétine a parcouru un espace si long, vous avez ces constellations-là, vous avez ça dans le ciel, vous regardez, par une nuit étoilée, pas de soleil, pas de lune, rien. C'est vraiment, vous voyez les constellations, et vous savez qu'elles mettent des milliers d'années lumière à parvenir jusqu'à vos yeux. Et il y a des astrologues, donc des créatures de Dieu, nées de la poussière, des astrologues, disent que tous les jours, l'emplacement de ces étoiles donne l'avenir jour par jour. Excusez-moi, jour par jour, semaine par semaine. On sait aujourd'hui d'abord qu'il n'y a pas 12 mais 13 constellations, on en veut encore d'en trouver une autre. Preuve que l'astrologie a besoin de la foi de la part de ses adhérents. Pour croire dans l'astrologie, il faut la foi, pas la foi en Dieu, il faut croire sur parole. Donc, Deutéronome 18, 10, hein, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce l'amitié de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel. Toi, mon frère, ma sœur, tu appartiens à l'Éternel. Tu ne touches pas à ces choses-là. Tu seras entièrement à l'Éternel, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Alors, vous lirez, il y a beaucoup de choses à dire encore là-dessus, les magiciens, les enchanteurs, ceux qui évoquent les esprits, tout ça. Ils usent de tromperies pour attraper dans leur filet des naïfs. Voilà, c'est purement de la naïveté. Quand on imite les magiciens, on joue avec le feu. Quand on fait semblant de jouer à ceux qui pratiquent des choses abominables,
Il y a un lien qui se met autour de sa personne. Si on se souvient à une certaine époque, vous savez, il y avait une série de films Poltergeist à un moment donné, dans les années 80. Il traînait d'une réputation de tournage, à ce qui paraît, pendant les tournages, il y avait des décès brutaux, des accidents, des membres de l'équipe du film, des incidents à répétition. Ils avaient touché vraiment. Et le comble de l'abomination, c'est le spiritisme où on interroge des esprits, croyant interroger un défunt. Un démon se fait passer pour le défunt et l'assemblée complète de personnes présentes est piégée dans une chaîne de malédiction sans fin. C'est ahurissant. Alors, Moïse annonce la venue de Yeshua dans Deutéronome 18:15. L'Éternel te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et ça, c'est l'annonce prophétique de la venue de Yeshua, le Fils du Dieu vivant. Et il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel ton Dieu. Alors, qui est ce prophète? Vous allez voir ici, de manière grammaticale, la preuve par A plus B. Je dois absolument... Ça fait déjà plus de 2 heures que je parle, et je crois que certains d'entre nous, on est assez fatigués. Mais il y a tellement de choses à dire là-dessus. Vous lirez le texte. L'initiative en termes de prophétie, l'initiative en termes de prophétie est condamnée par Dieu. À l'heure où la connaissance de la Bible augmente et où la prophétie se développe de manière très anarchique dans toutes les églises, bon, évangéliques, pentecôtistes, etc., le passage qui suit remet les choses en place. L'initiative personnelle est appréciée dans l'Église en général. L'initiative personnelle est une preuve de vouloir servir Dieu. Ok ? Vous voulez vraiment prophétiser, c'est une initiative. Vous voulez prophétiser. L'initiative personnelle est une preuve. En effet, Ecclésiaste 9:10 dit ces paroles, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. » L'apôtre Pierre va même jusqu'à dire, « Car si ces choses sont en vous, elles sont avec abondance. » Mais, verset 20, le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. C'est une initiative. Ça veut dire pour chercher Dieu, pour apprendre à le connaître, on doit faire tous nos efforts. Mais attention, on mélange souvent nos pinceaux. On croit que prophétiser signifie en faire plus qu'il n'en faut. Excusez-moi. On croit que prophétiser signifie en faire plus qu'il n'en faut. La réalité est toute différente car en termes de prophétie, l'initiative est condamnée à mort. L'initiative en termes de prophétie est condamnée à mort. Verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. C'est par audace, l'initiative. Tu as envie de prophétiser. Oui, c'est peut-être, oui, je crois que Dieu est en train, je crois que Dieu me dit que, machin, etc. Si c'est de Dieu, amen. Mais si c'est pas de Dieu, tu es condamné à mort. L'initiative est condamnée à mort. Tu ne peux pas. C'est très grave. Voilà donc ce que je voulais vous apporter. Deutéronome 19, l'établissement des villes refuges. Modifier les frontières données par Dieu. Témoignage, la loi du talion. Dieu combat pour son peuple. Des règles pour le combat. Ne pas combattre sans d'abord proposer la paix. Mais à quelles conditions? Il ne faut pas combattre comme ça. Voilà. Les arbres des hommes ennemis. Les arbres des hommes. Les hommes ennemis, ce sont des démons. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache. Tu ne t'en nourriras et tu ne les abattras point, car l'arbre des champs est-il un homme pour s'assiéger, pour être assiégé par toi? Mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture
et en construire des retranchements contre la vie qui te fait la guerre jusqu'à ce qu'elle succombe. Les arbres représentent des hommes, mais les hommes ennemis, ce sont des démons. Donc il y a des cas où les arbres ici représentent des démons. Deutéronome 21, et voilà, donc je suis arrivé au bout de cette... bon, évidemment, les années prochaines, on pourra développer davantage. En tout cas, ici, je vous remercie en tout cas de votre patience, parce qu'il est chez nous en Belgique, en Europe, 23h09. Pour certains d'entre vous qui nous suivez du Canada, donc il doit faire 23h, ça fait 5h de l'après-midi. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite à chacun Shabbat Shalom, puisque nous sommes rentrés maintenant dans le repos de Dieu. Voilà, donc Shoftim, une paracha extraordinaire, il y a tellement de choses à dire. Demain, nous nous réjouissons de suivre notre frère Bernard sur la Haftara. Cette Haftara nous parlera de Ésaïe 51:12 à 52:15. Je ne vais pas en parler puisque ce sera le demain. Un des passages les plus prophétiques, les magnifiques de Ésaïe 52, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Donc ça, c'est donc Ésaïe 52, 1 à 15, Yeshayahu ou Yeshaya, ou Isaïe, ça dépend, dans certaines versions on dit Isaïe, ce n'est pas le même que Isaïe qui est un prophète, aussi un autre, qui était même un sacrificateur, je pense, ça s'écrit sûrement autrement. Il y aura aussi le psaume 58 et certains passages du Nouveau Testament. Voilà, donc, merci en tout cas pour chacun d'entre vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pourriez-vous faire une étude sur le mariage et quel jour peut-on le faire? Christophe, d'accord. On a déjà parlé sur le mariage plusieurs fois. Chaque fois qu'il y a un mariage, d'ailleurs le 14, je vous invite d'ailleurs à suivre. Je pense, si je ne m'abuse, que nous aurons un direct. Ça dépend, ce n'est pas certain, ce n'est pas moi qui décide. Le 14, le samedi 14, il y aura un mariage à l'Assemblée. C'est pas ce samedi demain, mais samedi prochain, nous aurons un mariage, justement. Et ce n'est pas sûr qu'il y aura un direct. Ce n'est pas sûr. Il faut voir ce que les fiancés ont décidé, ce que la famille a décidé, surtout, parce que certains ne veulent pas être vus sur les réseaux sociaux. Donc voilà, en tout cas, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il est 22h09 au Cameroun. Au Cameroun, 22h. Ah, il y a une heure, hein, d'accord. Shalom à tous. Shalom à Marie-Caroline du Cameroun. Shalom à nos amis du Canada. Je sais que vous êtes à quelques-uns. Shalom aussi à ceux qui nous suivent de Suisse ou peut-être d'Israël. Merci à chacun. Merci, Nel, de votre présence. Merci aussi de votre patience, parce que c'est quand même pas facile comme ça de passer, au lieu de regarder la télé le vendredi soir, on aimerait bien se reposer, regarder un film ou quoi, ou regarder quelque chose, et là je vous oblige à me suivre sur YouTube. Merci en tout cas, et je vous souhaite à tous Shabbat Shalom, et on se revoit, Dieu voulant, demain à 12h30, 12h45. Je vous rappelle que pour les textes, vous pouvez vous inscrire, si vous n'êtes pas encore, vous envoyez une adresse email, vous envoyez un mail vide à parachaliste-subscribe.betishua.org pour recevoir cette paracha que vous avez eue ici en PDF sur votre boîte de réception. Nous faisons partie de l'Assemblée messianique Beth Yeshua, donc le site https://, il n'y a pas les 3 W, c'est directement bethyeshua.org.
Pour la Haftara, demain, nous aurons Bernard Meurant. Et vous pourrez aussi voir comment on s'inscrit pour recevoir toutes ces choses-là. Merci en tout cas. Vous écoutiez la voix de l'Israël messianique. La voix de l'Israël messianique, c'est l'association Centre de formation ou Centre Beth Yeshua, Centre messianique. C'est la voix de l'Israël messianique qui a été fondée à Paris par Paul Guenassia et qui est toujours ici en Belgique. Et voilà, donc nous diffusions jadis sur les ondes de la radio. On en reparlera peut-être un jour sur l'historique de l'Assemblée et sur quels sont les statuts de notre Assemblée. Quels sont nos statuts, à quoi sommes-nous appelés en fait? Pourquoi est-ce qu'on diffuse ici des parachutes? Il y a des statuts, nous avons des statuts, nous devons respecter nos statuts, notre appel, il est écrit. Ce n'est pas comme ça qu'on a envie de prêcher sur le retour aux sources. Voilà. Donc, c'est des choses que faut que vous sachiez aussi. Ce n'est pas sorti comme ça d'une pensée d'une personne et que voilà. Non, on s'est organisé pour servir Dieu, pour annoncer l'évangile au peuple juif et aux juifs et aux non-juifs, juifs et gentils, greffés sur l'olivier franc. Voilà, en tout cas. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom.